Je demande que... Non, c'est pas toi qui parles, moi. Je vais lancer un live. Je vais me lever là et voir la petite fille qu'on appelle la... Ou c'est une petite fille, où elle est quoi? Celle qu'on a... La chose qu'on appelle la lionne. Vous fumez le banga sur Internet ici, là, en cachette. Pardon, ne fumez plus en cachette. Quand vous fumez, il faut vous présenter. Vous vous présentez comment vous fumez. Je vais te poser deux ou trois petites questions parce que depuis un certain temps, vous faites vos conneries là. Je vais déjà d'abord souligner, je vais souligner ici là, sur Internet que, un, quand j'ai quelque chose à dire à Flore, j'ai le téléphone personnel de Flore, je prends mon téléphone, je l'appelle. C'est vous qui êtes des personnes sous tutelle. C'est vous qui est arrivé, je ne sais pas dans quel but, où vous êtes au Cameroun, vous souffrez, vous pugez la misère, la merde. Vous voulez faire les amitiés avec les gens ici. La lionne, méfie-toi. Je te le redis ici. Ce n'est pas les histoires que Coco Mimban fait. Méfie-toi. Je vais te donner un tout petit défi. Localise-moi là où tu es. Je te donne un tout petit défi au Cameroun là-bas. Que ce soit la première et la dernière fois que tu ouvres ce qui te sert de le jus du cul, si tu en as encore. Regarde-moi la bam, c'est la là. Tu parles les histoires de qui? Tu es malade dans ta tête? Quand tu ouvres ta sale bouche, tu dis que les abeilles, les abeilles aident qui? Vous êtes malade, on vous a dit que je vis des associations et des dons. Il ne faut pas confondre tout le monde ici sur Internet. Hein. Ne pensez pas que comme vous, vous êtes arrivé là. Toi, la lionne, tu es arrivé avec ton visage rond comme les chats de l'Algérie là. Tu es arrivé ici sur Internet, tu as deux objectifs. Venir en Europe et chercher le mari. Ce n'est pas avec mon nom, hein. Avec tes costauds yeux qui sont comme la cabine, imbécile, la chienne qu'on appelle compresso, avec le sang rempli aux fesses. C'est moi qui lui ai mis le sang aux fesses. Une chienne. Tu es malade dans ta tête. On te dit que j'ai besoin des abeilles pour vivre. Je vis à temps et à contre-temps. Allez demander à Flore. Combien de fois? Je dis, allez demander à Flore. Si vous voulez qu'on entre dans la Genèse. Ou parfois moi-même, si là, dans ses marches, mille et un cadeaux m'ont été envoyés. Jamais je ne réclame pas. Je ne réclame pas. Je suis venu en Europe moi-même. Je vous dis tout ça. Ce n'est pas un quelconque regroupement familial. Donc, ça veut dire, en venant en Europe, je comptais déjà sur moi-même. Je n'ai pas aujourd'hui, demain, après-demain, je vais aller border. Je ne suis pas comme vous. D'accord? Je dis, je ne suis pas comme vous. Votre chose qu'on appelle compresseur, avec la dacre partout, le sang rempli aux fesses, le VIH posant, ce n'est pas moi qui lui a donné ça. Hein? Chaque fois que vous allez vous égarer comme ça, je vais faire sa VS encore. Jusqu'au jour, je vais faire la VS avec le corps. Compresseur, tu ne peux pas te comparer avec Lolo. Lolo et toi, c'est le jour et la nuit. Quand on veut parler de belle femme, Lolo dans belle femme, elle te bat. D'accord? On veut parler de la prestance. Dans la prestance, Lolo te bat. Vous êtes malade dans vos sales ciboules. Vous voulez contrôler les gens avec qui je marche. Le cul de vos mamans, vous toutes, autant que vous êtes. Vous vous appelez comment les abeilles? Je vous pisse dessus à grosses gouttes. Hey, regarde-moi la chienne là, elle se place avec ses gros yeux, les fortes paires de lèvres comme les serpillères, hein, avec un vaste cul, son nez comme son clitoris. Elle ouvre ses sales fesses. Tu es arrivé quand? Qui vous donne le courage là? Identifie-toi là où tu es au Cameroun maintenant. Elle te fait fouetter par une fille, pas un garçon. Il dit une petite fille. Elle te met le dos au sol dans n'importe quel quartier que tu as droit là. Je dis n'importe quel quartier. Moi, la chienne, là, vous êtes d'abord au Cameroun, le réfléchis comment tu vas faire ta vie ou bien rester tes placements. La lionne, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Là, moi, je suis ici, je dors en Europe, les Blancs me payent. Qu'elle travaille ou je ne travaille pas. C'est vous qui avez besoin de faire des alliances machiavéliques, vous soumettre, lécher les pieds. Dans ma culture, on ne fait pas le tindaïsme. On a du respect, la considération pour les gens, mais jamais dans ma culture, on ne fait pas comme ça. On ne lave pas les pieds. Vous êtes malade? Qu'est-ce qui se passe dans vos cervelles? Pas moi les chiens là, oh, machin. Ou bien vous pensez, en fait, vous restez avec vos sales fesses qui moussent, tellement vos fesses sont sales. Vous restez, vous êtes assises. Mon mari gagne près de 7000 euros le mois. Je vous le redis bien, allez vérifier les salaires au Luxembourg. Il faut dire d'abord que vous restez tranquille sur certains points, ok? Et que même s'il ne me donne pas, je vais aller border. D'accord? On va me donner, il va les border. Parce que toutes ces chiennes-là, c'est des bordels, des prostituées, des mangeuses de caca. Imbécile champion. Champion pour venir crucifier les autres. Vous êtes malade en tant que des femmes. Donc on doit crucifier Lolo. On doit venir dire, je dois venir dire que oui, on a mis Lolo ici, vous êtes malade. Vous avez réclamé. Je vais entrer dans la Genèse.
Quand on a publié Flore ici, là, hein, on a eu la compassion pour Flore par rapport à quoi? C'est parce qu'on avait trouvé que l'acte que ces gens avaient posé n'était pas normal. D'accord? Là, moi, les moutons, là, vous pensez que les gens... On est en 2023, hein? On est en 2023, changé. Créez-vous des personnages. Je ne vis pas à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas une page monétisée. C'est vous qui restez au Cameroun avec les 1500 abonnés. Vous avez hâte de monétiser vos pages. Faites attention, vous allez finir comme Coco Lago. Regarde-moi la chienne là. Je fume le joint, le ganja, minimum par semaine pour 300 si c'est petit. Je dis minimum 40. De tout et de tout. Tu es malade, tu parles à qui? On te dit qu'il y a vu le mbeng de la pitié. Tu es bête, tu es cinglé, ils ont joué dans ta tête. Imbécile, va supplier tes mariages comme tu supplies tes mariages partout sur Internet. Regarde-moi la chienne, la lionne de quoi? La lionne du tindaïsme, hein, avec la mousse au cul. Tu es malade, tu parles à qui? Tu ouvres ta sale bouche. Imbécile, compresseur, c'est quoi? La chose, une voleuse de mari, quelque chose qu'on couille partout. Imbécile, compresseur, entre d'être se faire attacher pour prendre son plaisir sexuellement et d'être battu par un homme qu'on a volé chez l'un de ses fans. Complexo, tu es la pâle copie de la femme. Quand les femmes parlent, tu dois entrer en bas du... Donc, tu dois entrer en bas de la moire. Comment l'idiot de la SDF, à plus de 19 ans en Europe, c'est en 2022 que tu es venu avoir un contrat et les gens ne respirent pas. Tu es qui? Tu es quoi? Mbélas, bamo, azout. Kabet, un toujom. Continuez toujours, vous les abeilles là. Continuez tout, ok, dors ici dans mes choses. Vous faites votre sorcellerie. Je vais m'acharner sur l'écrit qu'on appelle compresseur. Avec les pipis et la bouillie mélangée dans le cerveau. Une chienne. À plus de 10 ans en Europe. Hein? Voilà l'autre. Tu n'es pas différente de Coco Mimban. Les sorcières comme ça. Essayez-moi un jour, vous allez entendre ce qui sort de ma bouche. Essayez-moi un jour. Les conneries. Parce que je vois là où vous voulez en venir. Arrivez là où je veux que vous vous arriviez. Vous allez voir ce qui va se passer sur Facebook. Ça sera la fin de beaucoup de choses. Essayez. Comment les chiennes comme ça? Vous voulez diriger qui? Vous voulez diriger qui? Ça vous prend par où? Qu'est-ce qui se passe dans vos cervelles? Quand vous restez chez vous avec vos gros culs et vos vies qui ont raté. Imbécile. Donc, Flore, comme Flore marche avec compresseur là, hein? C'est normal pour vous. Moi, je n'ai pas le droit de marcher avec Lolo. Je marche avec Lolo et je marcherai avec pire. Comme vous pensez souvent que, en fait, vous oubliez que c'est une part. Je dis, je marcherai ici sur Facebook. Vous n'avez encore rien vu. Là, je suis encore calme. Hein. Je suis dans certaines de mes choses que je suis en train de faire. Pour le moment, je ne cours plus avec vous. Je marcherai avec pire. Attendez, regarde, suivez mon regard. Vous vous prenez pour les qui? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous pouvez diriger qui? Hein? Qui est-ce que vous pouvez diriger? Comment les vieilles bordels comme ça? Les chiennes, elles sont là, elles sont remplies en faux profil. Les vieilles mamans, vous ne pouvez pas ouvrir vos caméras jusqu'à on fait la serpillère qu'on appelle la lionne. Tu connais ton avenir? Tu connais ta vie avec un avenir en plein rempli d'obstacles. Hein? Viens supplier, on appelle le petit que tu supplies, que tu veux qu'il te baise ici là comment? La lionne, plus jamais dans ta vie. Never you try to prononce my name over my dead body. Une chienne comme toi. Imbécile, tu te compresses. Dis à tes trucs là. Hein? Je suis avec Lolo, je soutiens Lolo. Allez mourir. Achetez les tonnes de litres de Javel. Attendez, vous allez voir. Vous êtes malade. On vous dit que je suis achetable. Je vais donc me transformer en un garçon qu'on peut acheter. Quand vous pensez que mes réactions sont par rapport à l'argent, je suis un lion. Je n'ai pas. J'ai un entourage aujourd'hui qui ne peut pas avoir un problème de même 2000 euros. D'accord? Je dis même 2000. Je vais appeler à gauche, à droite. Ça va sortir. Je vais utiliser l'argent. Vous êtes folle dans vos têtes. Vous restez derrière les faux profils que quand les abeilles t'aidaient. C'est les vous comme ça, les lions. Tu n'es même pas en train d'ancrer dans la team. Tu parles déjà d'aider. Va regarder mon compte Facebook. Cette page a été créée en 2007. Facebook ne ment pas. D'accord? Et tu ancres dans YouTube. Imbécile, on me paye. Tu es malade. Les abeilles ont cotisé pour moi combien de fois? Que quand les abeilles t'aident. Ils ont cotisé. On te dit qu'on reste comme ça. Donc vous pensez, vous restez ici sur Facebook. Vous pensez que comme je vis là.
Mon téléphone, si ce sont les abeilles qui ont acheté. L'appartement, si ce sont les abeilles qui payent. Mes habits, ce sont les... Vous êtes malades. Ils ont pissé dans vos têtes. Et moi, les chiens comme ça. Je suis là-bas. Je supporte Lolo. Tata Lolo, je te supporte. Viens appeler même dans le live. Si tu es en live là, viens, je peux parler dans mon live. Je suis avec toi aujourd'hui, demain, après-demain. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Les chiennes, les bordels, les frustrés, les filles remplies de péchés, les choses même qu'on attache en haut, en haut du plafond. Vous venez parler mes choses. Vous pensez que ma vie tourne autour de fleurs? Vous êtes malade? Je ne peux pas faire, je ne peux pas avoir une réaction. Vous allez tout le temps venir prendre ça. Que oh, et crête, le machin. Vous êtes, ce n'est pas Flore qui m'a mis au monde. Hein? Comment les bilans, bien. Je viens parler, parle ma chose. Oh, Flore, il fait ceci, imbécile, c'est mon corps. Elle contrôle mon sang. Hein? J'ai dit, Flore, arrête tes conneries, là. Écoute, la lionne. Là où vous, je veux que vous arrivez, si vous arrivez là, ça ne sera pas joli à entendre. Essayez! Je donne le défi, essayez! Je veux prêcher l'évangile. Vous allez comprendre. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Bah, je supporte Lolo pour le coup-ci. Un homme n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous réjouir. C'est son fantasme. Même si on la crucifie pendant... Là, quand elle fait le sexe. D'accord? Ce sont ses affaires. On a vu pire ici sur Internet. On a vu pire. Voilà. On a vu pire. On a soutenu le pire là. Jusqu'à avec la dernière énergie. Hein? Le pire qu'on savait que c'était vrai. On a vu pire. On est venu défendre ça. On a dit que non, c'est le montage. Essayez. La lionne. Quand j'ai dit aux abeilles là, les abeilles avaient les cervelles frélatées. Comme je vous vois, vous jacassez, vous sautez là-bas comme les popcorn qu'on a mis. On a mis dans la poêle avec l'eau. Ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quand je vais verser la marmite, j'espère que vous aurez le courage de venir ramasser ce qui sortira de là. Continuez comme un doucement. Et Flore, toi-même, parle à tes choses-là. Parle à tes bêtises-là. Je ne sais pas là où tu les recultes. Mais parle à tes conneries-là. Parce que ça ne va pas aller bien. Ça ne va pas aller bien. Moi, je ne nage pas dans l'hypocrisie. Je ne joue pas virtuellement et je joue derrière. Je ne joue pas deux matchs. J'ai un seul match. Essayez, vous allez comprendre la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis sorti ce matin. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit que je veux soutenir Tata Lolo. Ce qui est de mon plein droit. Je n'ai prononcé à aucun moment. Je n'ai prononcé le nom de personne. D'accord? Ne venez pas faire là où vous cherchez la compensation. Où vous cherchez quand on vous envoie les petits bons, les petits coupons. Je ne nage pas dans ça. Je ne nage pas dans ça. Quand on prononce vos noms dans les directs, quand ces gens viennent, parce que ces gens se permettent de venir m'insulter, parce que tu lèves... Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne veux pas parler beaucoup. Hein. J'ai dit que je ne veux vraiment pas parler. Je ne veux pas gâter 2023. Moi, je ne gâte pas l'année. Mais si vous insistez, on va arriver là. D'accord? Si vous insistez, on va arriver là. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes. Chaque fois, vous venez, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Le jour où vous allez vous retrouver au sol, ne vous posez pas de questions. Je vous dis ça. Avec moi, c'est au quart de tour. J'accepte certaines attaques. Mais à ce que je me lève un matin, j'ai décidé que non, ça c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Niente. Tenez-vous tranquille. Laissez-moi en paix. Et enlevez-vous dans vos sales têtes. Machin les aide. Je n'ai jamais fonctionné ici sur Facebook avec l'aide virtuelle. Vous avez cotisé pour moi ici là. Il y a les gens même qui ne sont plus les abeilles. Et mon premier cadeau, la majorité des gens qui ont cotisé à l'époque des abeilles, je ne parle pas des conneries, les guêpes. Les guêpes qu'on a, on a fait in vitro là, qui se font appeler abeilles. La majorité de ces abeilles aujourd'hui ne sont plus abeilles. La majorité. Il y avait entre les filles américaines qui faisaient les réunions avant, les Mireille et Boutou. D'accord? Donc, restez tranquille. Restez tranquille là où vous êtes. La lionne, ta grosse bouche qui est comme le cul d'une Dorola, hein? Ta large bouche, vaste comme Yaoundé Douala. Plus jamais. Je dis plus jamais, tu m'entends avec quoi? Plus jamais de ta vie, tu prouves tes ovaires sur moi. À mon maïoman, je vais te terminer.
Dans moi, les chiens, là, vous me prenez pour qui? Ouais, bien vu ma tête. Dans ma culture, dans le village où je viens, Fano, yo, chez les Yanda, je suis un chef. Je ne fais pas comme ça devant quelqu'un. Je respecte quelqu'un. Quand tu veux me soumettre, tu te dis, attention, c'est moi la soumission. C'est moi qui soumets. Voilà. Oh, oh machin imbécile, vous êtes malade. Hein? Vous êtes malade dans vos têtes. La lionne se place tranquille jusqu'à les abeilles sont les commentaires partage. Vous ne lui dites pas d'arrêter. Hein? Vous ne lui parlez pas les choses. Vous venez vous commenter. Vous me faites pitié. Toi, ben, quand le cul de ta main avait les asticots sur ça, comme les épluchures de mangue. Samba bi ton an nyoye lang samba. J'étais banni et bloqué. Tchè y lang an bi bebi soya tchè. Une chienne. La lionne, c'est qui? Regarde-moi une tumbabunga. Une chienne, une fille qui reste au Cameroun. Elle réfléchit que ce qu'elle peut faire pour métier, c'est de venir faire le tindaïsme. Regarde-moi la bordel là. Tu as tellement la poisse. Regarde-moi une poisseuse comme ça. Avec tout le. Tu tapes le djang sang sur toi comme ça. Concentre-toi sur les petits placements que tu fais. Hein. Que la lionne avait le gros nez comme si elle a fait la greffe. Tu payes les taxes de respiration. Visage ovale, cou qui la grenouille, un bel an oiseau. Faut voir la chose même. Je vais se placer. Oui, B appelle. Si tu savais comment tu es dégoûtante, les bordels, les cibleuses. Elle est en train de chercher là, la personne qui va lui ouvrir la route pour arriver ici. Là. Flo me fait même souvent pitié, même par moment. Les filles comme la lionne, comme ça. Si la lionne est en bain, elle ne parle pas avec toi. Tes trucs qui viennent souvent. J'ai dit que les trucs comme la lionne, comme ça, si la lionne est en bain, hein, elle va déjà d'abord croire qu'elle est toi. Tes gens là, ils veulent souvent venir pour prendre ta place. Tes dangers sont là-bas. Les abeilles qui sont parmi les frères du village là, quand leur soeur fait apparition quelque part, ils vont tout faire pour la propulser. Que, oh, Flore, l'autre te supporte, l'autre se défend de là-bas. Les chiennes comme ça, vous prenez pour qui? Je vis de vous, je vis sous vos gousses. Un des débuts que vous ne m'avez pas donné, comme vous dites que soi-disant, on vous dit que je suis compresseur. Je suis arrivé en Europe en 2016. Je n'attends pas que j'aurai 60 ans pour avoir le contrat de bail. Que... Là où je suis là, il parle fort, c'est chez moi. Je parle, il quitte encore, c'est pas encore Luxembourg. Il parle fort, c'est chez mon mari. Même chez un vieux blanc, vous n'avez pas pu rester. Les filles comme les Coco Lago, les compresseurs, les maudites, les restes des filles. Compresseur, tu viens te placer sur Internet. Tu ouvres ta laide bouche, le cerveau vide, avec les yeux qui regardent à côté, à gauche. Hein? Tu sens un durungum, mais la tête, il n'y a rien dedans, à part les pupilles, les spermes de lieu, c'est un mois-ci. Elle vient se placer. Oui, tu veux que je t'attache? Femme indigne, tu devais te cacher. Hein? Tu as volé le mari à une de tes abeilles. D'accord? Tu as volé à une de tes fans. Tatiana, c'était ta copine. C'est ce que le Congo ça dit. De copine à rivale. Hein? Une femme comme toi, tu n'as rien à dire. Quand les gens parlent, tu es une sous-personne. Tu es une tiède. Donc, tu es zzz. Ok? Tu peux venir sauter. Le seul homme que tout le monde entier sait qu'il est pour toi. Et de toute façon, tu vas d'abord retourner avec lui. Il s'appelle que Achille Dikolo. C'est le seul homme qui peut te supporter. Dans tout ben. Parce que celui-même avec qui tu es là-bas, il voit toujours sa femme Tatiana. Et c'est avec Tatiana qu'il va finir. Va supplier ton mari Achille Dikolo. Il n'y a rien dedans. Tu repars. Je connais les gens qui sont rentrés en mariage comme ça. Parce que tu es en train de faire là. Tu vas rendre l'âme là-bas. Si je manque. C'est même parce que par amour pour toi, c'est un conseil. Hein? Je ne te clash pas. Mais je te dis tout de suite que tu n'as pas le droit. You don't have any right de venir te moquer de ta soeur. De ta soeur Lolo. Parce qu'à l'époque, Flo qui est yamseur avec toi, copine, copine, si tu faisais des alliances machiavéliques avec cette Lolo-là pour combattre Flo. Rien que pour ces alliances-là, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de ceux qui te font, j'ai pitié de ceux qui t'appellent leur ami. J'attends votre épisode sur Facebook. Hein, voilà mes deux babouches ici. Votre épisode, ça va arriver ici sur Facebook. Et ne te dérange pas, compresseur, quand ça arrivera, toi, je vais entrer dans ton camp que tu seras exactement cette période-là pour te soutenir. C'est de là où toi et moi, on sera amis. Parce que j'ai compris le game de Facebook. Facebook, il n'y a plus de que non. Je prends la vie de l'autre. Il n'y a plus d'avis. À la guerre comme à la guerre. Donc, j'attends la partie que j'attends. Là, c'est ça, ça sera notre, c'est là où notre alliance va se nouer. Parce que je sais que ça arrivera ici.
Tu viens te placer avec les mains brûlées. Subitement, tu nous as sorti deux tatouages ici. Parce qu'on t'a battu, on t'a brûlé les mains. Va porter plainte. Tu ne peux pas porter plainte parce que le gars, il est suicidé. Nous aussi, on va ressortir les vidéos. J'ai les vidéos là qu'on m'avait envoyées ici. Tu as le sang partout. Tu as la maison. Tu pleures. Il y a le sang comme ça. Oh, il a failli me tuer. Vous êtes venu nous mentir. J'ai ça. J'ai ça, compresseur. Dis-toi que c'est plus crado à voir. Ta mère, est-ce que quelqu'un m'a monté un verre là? Je veux voir quelque chose. La chienne qu'on appelle la lionne, elle vient ouvrir le cul. Elle ouvre les fesses. Les fesses qu'elle fait l'amour avec. Hein? Les fesses qu'elle est pousseur de Mbopi. Hein? Même moi-même qui est un garçon. Les fesses qu'elle est pousseur de Mbopipine. Elle ouvre ça. Elle parle mes choses. On l'appelle la lionne. Elle dit qu'elle va se marier avec Loïc Chapuis. Continue de rester dans ton rêve. Ne te réveille pas. Hein? Ne te réveille pas. Quelle mère va accepter qu'une fille de Facebook... Tu ne sais pas que nous qui on est sur Facebook comme ça, ce n'est que la pitié et la chance ou bien le blanc qui nous aide comme ça pour nous épouser. Quand elle voit un blogueur aller supplier le mariage chez les noirs, et lui regarde et rit. Je lui regarde, je ris. Le gars là peut t'aimer, mais tes soeurs. Donc tata Lolo, toi-même, sors là-bas chez papa Foja, libérez-vous. Il n'y aura pas mariage là. Je suis fatigué. Toi-même, tu déranges ma personne. Tu déranges. Il ne peut pas être dans le concubinage plus de 10 ans. C'est quoi? C'est le Seigneur des Anneaux. Hein? Oh, on est fiancé. Fiancé comment? Fiancé pourquoi? Pour quelle raison? Au nom de quoi vous êtes fiancé? Au nom de qui? Qui a dit ça? Hein? Et puis les choses comme ça, on entend ça dehors. Non, quand vous êtes fiancé, restez à la maison. Fiancé à la maison. Faut pas aller fiancé dehors. Non. Le fiancé là peut aussi t'attacher si c'est ce que tu aimes. Je n'ai pas apprécié la partie là, ma personne. Tu sais que tu es ma personne. Entre toi et moi, on avait signé notre contrat d'amitié que chacun parle ce qu'il a à parler. Il n'y a pas le secret. Tu ne parles pas de mes gens, je ne parle pas de tes gens. Mais quand quelque chose nous concerne, nous deux, tu parles. C'est comme ça, non, ma personne. Je te tape sec. Papa, faut excuse-moi. C'est que c'est ma personne, ça me fait mal au cœur. 14 ans de vie, on reste. C'est trop. C'est trop. Sans laisse. On laisse. Tata Lolo laisse. Je vous ai dit que je ne sais même pas pourquoi vous aimez forcer, vous les mères de Bengsi, vous me faites pitié. La seule, votre sort, c'est le blanc. Tournez comme vous allez tourner là. Les petits gars là vont vous taper comme ils vous tapent dans les maisons là. Correctement, soit des coussins. Ils vont vous fouetter les pères là. Les pères là, leurs familles les attendent, eux-mêmes avec les femmes blanches. Ils n'attendent pas les bordels qu'ils voient sur Facebook. Une blogueuse chic, elle cherche le gars noir. Vous me faites pitié. Si je parle, on va dire qu'elle parle les choses des filles. Moi, alors, ici, que je suis un homme. Je peux décider qu'elle quitte là et part d'un village où il n'y a pas la connexion. Je m'en vais, j'épouse une femme là-bas. Elle va venir savoir ce qu'on fait si là. Elle a accouché même 3 enfants. C'est ça. Je ne sais pas. S'il vous plaît, partagez le direct si je suis déjà revenu. Compresseur, comme tes guêpes. Tes guêpes. Viennent me chercher les poux en boélan. Je suis revenu alors. C'est toi qui vas subir. J'ai le numéro de Flore. Si quelque chose m'énerve, je vois le voice à Flore. Elle va écouter, elle ne me répond même pas. Après un jour, elle va m'appeler que ouais, ma personne, je ne suis pas dans vos problèmes. C'est ma personne. Et je parle de sa chose comme je veux. Oui, oui. C'est vous qui restez, vous faites l'amitié des vues, l'amitié des étoiles. Flore, ma personne. Est-ce que tu peux venir témoigner devant les internets en tant que les bons liens qui nous lient? Flore, la reine mère, j'étais déjà appelé un jour pour dire que hey, la reine mère, comme tu me vois là, je n'ai pas mangé. Ouais, la reine mère, c'est chaud. Donne-moi, envoie-moi quelque chose. Toi-même, tu connais comment toi et moi, on est dans l'amitié. Hein? Quand tu viens à mes anniversaires, si je vois ton sac, je dis que la reine mère, achète-moi ça. C'est la fête. Mais jamais à distance. C'est les lions comme ça. Comme Flore les a reçus, elle pensait que non, ça lui donne le courage de m'insulter. Ça ne te donne pas le courage de m'insulter. Parce que le lien que moi j'ai avec Flore ici sur terre, ses combats les plus durs, on a essuyé ça ensemble. Même si on était en regret, on a essuyé les combats ensemble. Vous avez dit quand? Voilà les autres qui sont venus avant toi. Les Borosangui, nous on les a vus ici. Elles sont où aujourd'hui? Les Marie Larose, elles sont où?
les gros nez, celle qui a le gros nez là, pas Christian, mais le gros nez comme la devanture du bus. Hein? Les gens qui doivent payer les taxes de respiration. Je ne sais pas. Si quand la mort s'y passe devant certaines portes, les gens même que nous, on les a dit, ils ne prennent pas ça. Mes condoléances à toute la famille de Céline Ladouaël. Je veux venir là-bas à la veille là. Mm-hmm. Et je veux venir avec mon gaz lacrymogène. Comme vous venez souvent dans les veillées des gens, vous venez pour faire les problèmes, je vais mettre dans vos yeux. Celui qui va faire les problèmes avec moi, je mets dans ses yeux. Et je ne prends pas le couteau. Ça n'entre pas à la salle. Le bic, le stylo, ça perce aussi bien le corps. Je mets souvent ici là. Te laisse le stylo ici. Tant que tu fais aïe, moi je suis parti. J'ai tous mes gars dans Gaboko. Là, ils ont la voiture, le hein? On couvert loin. Tu vas nous poursuivre là-bas. Lolo, sors de la maison là. Ou bien papa, faut déjà sortir parce que c'est que c'est la maison de ma copine Lolo. Moi, je parle la vérité, Lolo. Si tu veux, tu te fâches. Les gens ont dit là que c'est sur papa, faut déjà non. C'est ta maison. Hein? Hygiéniquement d'abord. Pourquoi la connexion s'est fait comme ça aujourd'hui? Hygiéniquement, déjà d'abord, la lionne en tant que garçon, je vais vous montrer ce que j'utilise. Vous êtes allé utiliser les produits de Karine Mongoué. Hein? C'est ça qui me fait prendre toute la confiance sur l'avoir pour le corps. Voilà, c'est ici. Je mets sur mon corps. Je suis ici en Europe. Hein? J'habite en Europe. Respecte-moi. Je suis passé par la mer Méditerranée pour venir vivre ma gloire. Alors, il est inadmissible. Hein? Qu'une petite écervelée qui fait ses premiers pas dans la vie active. Je ne sais pas ce que tu vends, je t'encourage de toutes les façons. Donc achète ça à ton gars qui t'épine les vieilles fesses secs là. Je vais mettre, vous allez voir, ça va me rafraîchir le visage. Vous savez, même quand tu es laid, il y a parfois tu es laid là, tu vois. Il y a des petites choses comme ça. On appelle ça que les astuces. Vous allez voir, dans quelques minutes là, il serait des apos. Regardez. Tout ça, c'est Karine Mongoué. Je suis ici, là, j'ai la valeur même plus que les gens qui sont au Cameroun. C'est moi, toujours moi. Hein? C'est encore moi. J'ai pris en considération. Regardez, voilà, vous avez vu la beauté, là, elle vient d'arriver, là, non? Ce n'est pas les gens comme la lionne, comme ça. Une femme, elle est une femme, on ne sait pas. Par moment, elle ressemble à un travesti. Par moment, elle ressemble à une femme que elle a la maladie du foie. Elle gonfle seulement. Par un moment, tu ne sais même pas ce qu'elle est. Je vois ces jours-ci, elle a pris le poids. Ou bien c'est la nourriture des gens qu'elle a mangé de maison en maison pendant les périodes de Noël. C'est là que je ne sais pas. La lionne, tu ne peux pas me parler. Au ce qui y a, bolme canon à quoi, mais jamais de la vie. En tant que femme ou bien en tant qu'homme, tu n'as aucun mot. Tu ne connais même déjà pas laver la foufoune. Et tu oses ouvrir ta gueule sur moi? Va attendre l'imbenguis, espèce de tinda. Va attendre l'imbenguis. Les petits gars qui te mentent, les petits faux profils, vous voyez. Toi, tu crois qu'un homme qui est dans les histoires, les choses de Congo, ça, des femmes, il va partir où avec toi? Hein? Il connaît la femme au sens propre, il va partir où avec toi? Je vais te poser la question là aujourd'hui. Là, on n'est pas dans les clashs. Hein? Homme, qu'il soit hétéro, ou bien ce qu'on pense là, ou bien ce qu'on dit là, qu'il soit ça, dans la vie ici. Tu penses qu'un homme qui s'attarde sur des petits détails comme ça peut faire de toi sa femme? Ta large bouche qui est là-bas comme le bateau qui est beau sur ça là. Hein? Tu vas remplir sa maison avec le bavardage, le mensonge, la qualité de femme qu'on vient toi appeler d'aller témoigner les choses de Congo. Ça, une chienne est là en Europe. Elle parle les histoires des gens qui se passent ici en Europe, au Cameroun. Hein? Elle est au Cameroun, elle parle les histoires des gens qui se passent en Bé. Elles sont une bande de femmes ratées là comme ça. Elles sont nombreuses. Il n'y a pas que la lionne seulement. Elle veut dire qu'elles ont les amis. Elles sont les blogueurs. Maurice Abanda, salut. Elles vont dire qu'elles sont les blogueurs. Elles font les clashs avec eux, les Baflor de Lille, les Nivakine. Je clash avec eux, non. Regarde votre palmarès. Nous, on a pensé de faire ces choses-là. Quand on était déjà en Europe, nous-mêmes. Là où je suis ici, je ne vois pas en quoi vos gens que vous avez tous sur Facebook réunis là. Je connais la réalité de Mbeng. Beaucoup là, la majorité des chaussures et des sacs qui portent, c'est des faux trucs. C'est vrai que les gens comme vous que ça peut blaser. Je connais la réalité, je connais la vérité, je connais ce qui se passe, je connais le fonctionnement, je vis dans ça. Il n'y a que les petites cervelées comme vous, comme ça, hein, que ça peut monter dans la tête. Que ça peut être, ça peut les surprendre.
là où je suis, si le nom que j'ai aujourd'hui, Nivakin, que vous voyez sur les réseaux sociaux, je peux manger dans certains restaurants aujourd'hui, Njo, comme beaucoup font là. Il mange ici, là, Njo, il va payer, manger le nom. Mais comme je ne suis pas un gars qui met la gratuité, pour faire taper ma sauce d'arachide, comme mes papayes, ça les mange. C'est ma sauce d'arachide. Ce n'est pas le crédit qu'on va me dire que... Ouais, ni il y a ton nom ici dans le cahier. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas dans la liste des bavards, là. Hein? Ce qu'on appelle la lionne, elle transpire là comme le phoque. Elle transpire comme le phoque qui vient de s'échapper de sa mare d'eau. Une fille tu es au Cameroun. Hein? Moins cher. Quand les déodorants sont là-bas, tu ne peux pas apprendre comment on met le déodorant. Ce sont les choses. Moi, voilà Nivakin. Un homme, je parle depuis là, tu n'as pas vu l'eau couler. Tu n'as pas vu les masses d'eau jaillir. Mais dis-moi, Koroa, me kanmunga, kuwa, bécelle. Tu n'as pas vu ça. Hein? C'est à cause de ça. À cause de ça. Karine Mungwe, la gamme, c'est 25 000. J'ai mis le numéro là où vous pouvez avoir tout ça. C'est dans la page là. Vous partez regarder là-bas. Vous achetez. Les gars de tuyaux que vous passez le temps à voler, vous appréciez. Tu choisis ton gars comme ça, même à la porte de la chapelle. Hein? Non, la vie a avancé, ne riez pas. Tu arrives à la porte de la chapelle. Les gars là sont beaux, c'est que c'est les moyens qu'il n'y a pas. Moi-même, si j'étais encore dans la vie d'avant, les patins que prendre ma part là-bas, je parle moi la vérité. Tu arrives là-bas, tu regardes, tu vois celui, celle qui aime les grandes tailles, il y a le goût de tout le monde. Tu prends alors un là-bas, tu l'amènes chez toi, il se lave bien. S'il n'a pas les habits, tu l'amènes chez Primark. Primark, ce sont les habits que les hommes vous graguaient avant au Cameroun. C'était que quand tu entends que mon gars m'a acheté un petit pull, ce sont les habits au niveau de Primark là. Moi-même, je porte Primark, ça et acheter ça là-bas. Qui va connaître? Hmm? C'est la marque aussi. C'est vous que vous êtes arrivé au Cameroun, vous souffrez d'abord. Même la vie de Mbopi, vous n'arrivez pas à vous offrir. C'est ici que vous venez crâner. Donc, tu amènes alors ton gars là-bas, tu lui fais les courses même de 200, ça va te coûter moins cher. Puis maintenant, vous commencez à parler comment il va avoir son kaolo. Si tu ne connais pas, tu me téléphones. Il vient, s'il est beau, je viens, je lui fais bisous. On fait les photos. Il demande aussi sa part Lungunda, qu'il est comme tu connais là. Mais même comme c'est toi qui vas dormir avec lui. Hein? Ils sont nombreux là. C'est ça qu'ils ont fait. Ils vont alors vous crahir. Ils sont nombreux. Pédés dans leur papier, hétéro dans leur vraie vie. Mais c'est tous eux qui veulent se fâcher. J'ai dit l'année, si vous devez nous supplier, si je connais, je crahis. Dès que je connais, commence à te graguer. Tu refuses et crahis. Oui, vous allez nous goûter. Rien que pour nos 5 ans, 5 ans qu'on vous donne ici, là. Vous allez ou bien vous nous respectez, ou bien on fait l'amour. Ou bien vous remettez les papiers alors. Il n'y a pas de souci. C'est quoi ce manque de respect? Ils sont là avec les gros 5 ans. Hein? Ils font venir leurs enfants. En Belgique, ici, le regroupement familial, quand on te donne l'asile, le regroupement familial, c'est 4 mois. Même si tu as 6 enfants, ils sont posés ici en 4 mois. L'État te prête même encore l'argent pour payer le billet d'avion. Et vous venez, vous ouvrez vos bouches. Je suis fâché. Je ne suis pas content dans la vie. Je vais vous gaguer. Vous allez me goûter un peu. Même si c'est que tu mets ce mandat, un comme ça, tu goûtes. Au moins, ton papier va prendre son sens. Moi, je suis en Europe, la Lyonne. Tu ne peux pas être parler mes choses. La vie que tu as là, je peux me l'offrir. Comme et quand je veux. Ta misérable petite vie de Mbopi là. Hein? Ou bien c'est le sable. Il fait quelle saison dans là maintenant? Il doit faire très chaud. Je pense que c'est la chaleur. Tu as même la clim. Oh, tu as la clim. Tu parles les choses de Nivakin. Un bon touillant à nous azoutes. Une chienne avec la grosse bouche. Tu ne peux pas venir parler des choses qui minent la société camerounaise. Tu es assise au Cameroun. Ton blogging est porté sur l'Europe. À quel moment est-ce que tu bloques pour ton pays, le Cameroun? Tu ne peux pas parler. Voilà Bruno Bidjanki est décédé au Cameroun. Paix à son âme. Franchement, je me fais mal. J'aimais beaucoup le monsieur là. C'était pour moi mon... Je l'aimais beaucoup. Pas Bruno Bidjanki. Martinez Zogo. Hein? Eh, hey, pardon, Bruno Bidjanki. Excuse-moi, maman, ta femme peut même me lancer le son là. Qui va mon plantain qui vient maintenant de signer sur ça comme ça. Excuse-moi, c'est l'aptus. Hein? Je n'aime pas ça. Tu peux parler de Martinez Zogo. Voilà les choses qui sont. Parce que nous, on ne comprend pas. Ça s'est passé trop vite.
Moi, j'ai vu le père là parler comme ça, il croyait même qu'il était peut-être aux États. La lionne, il y a les choses qu'on ne parle pas dans la vie. Reste tranquille, il fait très chaud, voilà. Tu comprends, tu es la chaleur. Si elle l'a ajouté, alors l'alcool en haut, c'est grave. Père à ton âme, Martinez Zongo. Ça m'a touché, ça m'a crispé le cœur. Je vous dis, voilà les choses que tu dois parler. Tu peux parler des cartes d'identité. Hein? J'ai vu dans une école là au Cameroun, dans un village là, le prêtre là, il a transformé les élèves lui cherchent le bois. Ils ne donnent pas cours. Le premier de tout l'établissement ne connaît pas écrit son nom. Donc on partage seulement les moyens aux gens. Parle de ça. D'accord? Il faut parler de ça. Moi je peux parler des bordels. Je peux parler de ces gens. On est ici. Ça c'est notre karma, notre calcio. On est ici dans notre réalité. On peut parler de ça parce qu'on maîtrise ces sujets. Tu connais compresseur où? La bordel qu'on appelle compresseur. Tu connais la chaîne là où? Est-ce que tu sais qu'elle faisait le camion à lieu Saint-Moissy? À l'époque, elle insultait Flore, que c'est Flore qui est une prostituée. Et qu'elle, elle est une femme exemplaire. Jusqu'au jour, hein? La vie a fait en sorte qu'on l'a trahi. On est parti la trouver à lieu Saint-Moissy en train de grimper le camion. Hein? Vous voyez la vie? C'est ça. Coco Mimba, je voulais te conseiller, si tu n'arrives pas à louer, vends ta voiture, tu achètes au moins un camion. Ça te sert de maison et ça te sert de bureau aussi. Ou à garer dans les autoroutes. Et que de subir la honte comme moi, quoi, ou à vos soins, vous me saisissez. Une vieille mère comme toi, 58 ans, on te chasse encore. Hein? On te chasse encore, parents d'enfants français. Voilà les autres. Quand on va parler, on va dire que Nivakin. Enlève-toi dans la tête, la lionne. Si toi, tu es venu dans les histoires des PDG ou des abeilles, là, que... Si tu es venu dans ça, que tu es venu avec un but bien précis, je te rappelle que tu parlais, les abeilles qui t'ont dit qu'ils ont cotisé, là, je connais bien. Moi, tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose, je ne supprime pas mes postes. Il y a encore les noms des gens qui avaient cotisé dans mon litige, là, tout encore. Il suffit justement de rentrer vraiment en bas. Et ça, c'était en 2018. Nous sommes en 2022. Hein? Là, nous sommes en 2022. Et comment est-ce que j'ai pu survivre jusqu'à maintenant? C'est comme pour te dire que des cadeaux, on accepte des cadeaux dans la vie. Mais en réalité, je ne suis pas ici. Non, il a décédé, on a découvert son corps. En réalité, je ne suis pas ici sur Facebook pour insulter. Je ne fais pas partie de la catégorie des blogueurs qu'on contacte, qu'on paye, qu'on te paye 200. C'est compresseur, c'est votre l'écrit là qui est comme ça. La chose là, celle qui a les bras brûlés ici là. L'écrit avec les pipis dans la tête. Hein, les ndamba. La pipe et l'amour, 40 euros. C'est elle qui est venue entrer dans les clashs. Je suis venu entrer et je vais vous rappeler... J'aimerais causer avec moi en eBay. On va causer de quoi? Moi, je ne cause pas avec les faux profils. Si tu veux causer de moi, tu parles là, ici, là. Tout le monde écoute. Parce que vous, les faux profils, là, vous êtes comme ça. Moi, je ne veux plus rien avoir. Je ne veux plus aucune collaboration avec les faux profils. Je ne veux plus. Donc, si tu as à me parler, même si c'est mon Congo, ça. Même si c'est mon Congo, ça, tu parles ici. Tu vas voir l'autre saleté qu'on appelle Nicole. Une sale fille. Je ne sais même pas quand elle ouvre sa à cœur ouvert avec Nicole. Une déchet. Je n'ai jamais vu une femme sale comme ça. Non, mais Nicole, ne dis plus que tu es camerounaise, hein, s'il te plaît. Ne dis plus ça. Ne dis plus que tu es camerounaise. Pardon. À cœur à Saloto de Nicole. Hein? À cœur à Ezakam. À cœur à poubelle de Nicole. La chose qui est dans un village perdu en Sicile, là-bas. Dans le camp des réfugiés, les maisons, que les mines que l'État donne souvent là. Hein? Elle ne peut même pas chercher même un clochard, un clodo italien. Tu peux lui faire les piches. Tu as encore la beauté brute sale. Concentre-toi pour te laver. La chose qu'on appelle Nicole. Tu pues, tu dégages. On arrive à voir ta saleté même dans les directs. Et c'est toi qui es tout le temps en train de vouloir venir te mettre au même niveau. Quand tu regardes une femme comme Lolo, je ne vais pas mettre Fodja dedans. Comme une Lolo, rêve, Lolo Mbiaï. Mets pas Fodja dedans, dis donc.
C'est pas son nom. Elle s'appelle Mbiaye. Elle n'est pas une bâtarde. Si tu veux trop le nom. Une sale femme comme ça. Une chienne. L'autre saleté, Nicole, là. Bien sale. Le temps que tu perds, hein, tu peux acheter ce gommage. C'est 25 000. Même les femmes utilisent ça. Une femme qui a un pot dur comme ça, comme le caïman. Hein? La peau en un cas vienne, elle est là comme ça. Elle se passe. Hé! Avec son jean, les habits de l'association, dis donc. Elle avait mis l'ensemble jean. Le truc là ne lui suffit même pas. Elle est là avec le truc, elle est serrée là comme ça. Les habits de la Croix-Rouge. Tu viens parler à une femme qui entre chez Céline, elle achète les sacs à 700 euros. Hein? Tu viens parler. Non, mais il faut souvent mesurer les adversaires. La lionne. Là où tu es là, c'est même pas un jour si tu vas arriver, même je peux même prendre quel pays même. Ne joue pas avec moi, je te dis ça. Tu es dans une position géographique qui est très mauvaise pour chercher les problèmes. Tu n'es pas trop bien. En plus, tu es dans la ville là. Oh, je suppose que quand les abeilles t'aiment, mais s'il y a beaucoup de personnes ici, ne me suivent pas en tant qu'abeille. Hein. Ils me suivent pour ma prestance. Ils me suivent pour ma vérité. Ils n'aiment même pas qu'on les mélange, qu'on les appelle abeilles. D'accord? Une chienne. Va un peu au Tchad de la lionne. Après, tu reviens un peu se chamailler. Maintenant, là, tu vas un peu avoir le truc que nous. Mais les sales fesses viennent se placer, elles parlent de mes choses. La costaud de bouche. Quand on a une grosse bouche comme ta bouche, là, on ne met pas le rouge à lèvres qu'il y a là. On ne met pas la couleur rouge. On ne porte pas du rouge. Hein? Pas une forte paire de lèvres. Avec les habits de l'association. La saleté qu'on appelle Nicole. Bissila ni Sazakwa. Nye, minga, nye. Je ne sais même pas la fête. Donc, qui baisait les choses là. Mais tu donnes envie de vomir. Franchement, tu as fait combien de temps dans les... Tu as fait combien de temps dans le pour traverser? Tu es abîmé, hein? Les connection man là, ton baiser, hein, ça se voit. Oh là là, Yako, ma soeur, c'était pas facile pour toi. Que ho! Que ho! Quand les abeilles aidaient, tu es malade. Moi, que vous voyez, si la vie me dépasse, je m'en vais signer chez un blanc. Je ne suis pas là que moi, il va aller faire la servitude chez un noir. Je m'en vais signer chez un blanc. Oui. Donc, ceux qui m'attendent au tournant, là, franchement, ça va être très compliqué pour vous. Vous restez là, vous jugez les gens à temps et à contre-temps. Une sale chienne comme toi, la lionne, avec le gros cul. Donc, tu es devenu le justicier de Lolo. Imbécile, était d'abord le justicier de qui? De ta grand-mère. C'était d'abord pour ta grand-mère. Regarde-moi la chaîne petit colonel, elle dit que l'audience. Tu sais pas que quand tu restes longtemps sans faire les directs, tous les gens la partent. En fait, c'est vous. J'ai l'impression que vous avez l'impression. Moi, je ne vis pas des réseaux sociaux. Hein. Vraiment. Je n'ai pas une page. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Ça veut dire que quand il veut parler ma chose, si il veut parler ma chose là maintenant, qui a seulement une personne et finit de parler, vous aimez le Congo, ça, vous allez venir écouter ça après. Je ne vis pas des réseaux sociaux, hein. Non, mais franchement, il faut enlever ça dans vos ciboules là. Enlever ça ici. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Bon dimanche, Inès Techa. Je ne vis pas de ça. Je ne reste pas que le programme que je veux faire un voyage là, j'attends l'année qu'on va m'inviter dans l'endroit là. Ou si ça va arriver un jour, non. Si j'aime un pays, je pars. Je sais, mon ami, il part là-bas. Je vous ai dit, j'ai le bon passeport. Les conneries que les gens vous racontent sur Internet, là, j'ai deux vies. Il y a une grande différence entre ma vie réelle et la vie des réseaux sociaux. C'est vous qui venez vous morfondre dans les conneries, là. Demandez à vos patrons, s'il vous plaît. Posez-leur les questions. Ok. Regarde-moi les chiens comme ça. Je ne vis pas les réseaux sociaux. Si je veux la voiture là maintenant, je vais d'abord faire quoi la voiture, quoi elle conduit. Si je veux la voiture là maintenant,
Il va regretter le quoi, mon ami, mon mari va m'acheter. Il ne m'achète pas le mariage fini. Je pars. Je suis pas dans. On ne discute même pas l'autre là. C'est comme ça. Non, pour le moment, il ne peut pas encore conduire. Attendez quand je veux commencer à conduire. Je veux voyager là maintenant. Je dis que je veux partir. Oui, tu ne me donnes pas l'argent. Je pars. Je suis pas un touriste, je suis un aventurier. Oui, oui. Il y a les pères. Je n'accepte pas. On doit me donner. Il y a les pères. Oui, oui. Il y a les pères. Et je voulais aussi vous dire, ce n'est pas tout le monde qui est venu ici pour travailler. Il y a des gens qui sont venus récupérer leur argent. Comme les nous, comme ça. On est venu prendre nos cas que les pères si nous doivent. On est nombreux. Mais certains-là ne se déclarent pas. Il y a ceux qui sont venus pour faire un job massique. Ils vont monter au blanc que vraiment, ce sont eux qui ont suivi les cours d'intégration le jour où on donnait. Non, le corps, là, je ne vais jamais casser ça pour l'intérêt de l'homme blanc. Jamais sur la terre des hommes. Le corps aussi. Je peux faire la qualité de travail, là. Agent d'accueil. Je suis assis là. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je préfère prendre mon énergie là, je danse. Ça crasse mon corps. D'accord, voilà. Donc, et je voulais aussi vous dire, ça j'ai décidé, je ne veux plus parler de ça. Les concernés seront au courant très bientôt. Là, 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 là. Je vais leur dire comment on va procéder, faire encore froid. On va la faire à la manière pour énerver les gens. Il y a mon piment, n'est plus un crédit. Maman Karine Mongwe, ces produits-là sont bien, la fille-là. Hein? Mais elle avait un cassin. Mais son tour là est quand même bien. J'aime. Voilà ça ici là. C'est le gommage ici là qui a convaincu mon cœur. Ce gommage. Gommage miracle. Hey, hey. Madonna adoucissant. Fabulous. Fabulous. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tu n'as pas encore le gommage si tu parlais les choses de Nivakine sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le gommage fabulous. Hein? Avec le parfum de face. Tu n'as pas ça. En gros, tu n'as pas la gamme qui coûte 24 000. Tu n'as même pas à manger. Tu insultes Préziamout. Ta misérable vie te dépasse. Mais tu te compares à Lucas Wona. Manezu Zeminganoa. Wazemete Préziamout. Est-ce que tu peux... Préziamout, c'est mon président. Il y a vu les gens changer de président ici dehors, mais moi, vraiment, tant que le président ne change pas, je suis dans le pouvoir, le parti au pouvoir. Président Mourouye, tu es mon président. Voilà. Aujourd'hui, demain ou après-demain, tu es mon président. Mm-hmm. Celui qui ne veut pas, il met sa tête sur le gougon, la voiture passe. C'est ça. Il meurt et nous, on vient la veiller. Oui, j'aime la veiller. Jaguar Mot. C'est ma première dame. The first lady en anglais. It's how they say it. The first lady. And Jaguar Amot is our president. Mm-hmm. C'est pour moi. Tu me suis, tu insultes Amot, je te bloque. Tu me suis, tu insultes Jaguar, je te bloque. Tu es ici là dans mon Facebook, ici, tu insultes Lolo, je te bloque. Les lolomaniens qui sont ici, là, je veux aussi vous parler parce que vous avez l'air de vous perdre. Tu insultes Flo ici, je te bloque. Allez l'insulter elle-même dans son truc, pas dans mon direct. Oui. Tu insultes elle ici, je te bloque. Même si tu me suis, ça fait plus de 3 ans. Tu vas seulement partir. Allez là-bas, dans son direct elle-même. Ici, les gens que j'ai décidé d'être avec eux et respecter, vous allez aussi les respecter. Tata Lolo, je suis avec toi. Je te soutiens en tant qu'une femme. Excuse-moi, j'étais en période de les Chinois ont enlevé le drapeau. Je voyais mes règles. Je voyais mes règles. Et j'allais oublier. Mes lèvres ne sont pas secs. C'est qu'elle vient de me réveiller. Voilà, Karimo, c'est toujours elle. C'est tout Karimo qui fait ça. Moi, comme j'utilise celle pour que les gens n'utilisent pas, parce qu'ici en Europe, les gens demandent même le gloss. Hein? Mais ils font les photos, les grands snaps, les grandes photos, ils demandent le gloss. Donc je fais comme ça.
insultes aussi Lady Ponce ici, je te bloque. Ça, c'est la partie j'aime. C'est là où Karim Mongwe m'a fait le grimba. Tu sais que le truc est comme le sucre. Hein? Je suis souvent ça. Hein? Mais je vais parler quand même. Karim Mongwe avait un cassa. Hein? I like when you speak English. Yes, of course. What do you think? Do you think I'm not using to speak good English? At least my English is better more than all the English. Pour les gens qui habitent là-bas, ils ne disent pas leur nom. Que your mother should be your first lady. Ma mère n'est pas dans les histoires de Facebook. Ne parle plus, ne dis plus que ma mère, c'est Prezi Amote, Amote Jaguar et sont mes parents. Mon père et ma mère sont mes parents. Ok? Pour Facebook. Mais toi, venir donner la leçon. Ça a quoi à voir avec ce que tu dis là? Donc toi, tu crois que ce qu'il parle ici, c'est ma vie de la vie. C'est joli. Karine Mungwe. Mais tu avais un cassa. Mais neuf, il ne laisse pas. Hein? Père, n'accouchez plus, ne veut plus ça. C'est moi qui vais rester avec Karine maintenant. Je suis allé me discuter dernièrement. Toujours. Ok, maman. C'est le vent de quoi là-bas dehors comme ça? Ouais, Coco Lago qui est dehors, là, c'est avec la qualité de vent si. Coco Lago, contacte-moi. Je vais te laisser en mariage chez un blanc là. Je cherche la femme, je lui connais. Mais il sent, hein. Tu vas seulement le laver, ma soeur. Tu vas faire comment? Beaucoup de tes soeurs là. Elles ont trouvé pour elles, ont lavé. Ay, je suis très jolie avec les produits de Karine Mungwe là. Hey Karine, tu exagères. Ne sors plus rien, pardon. Comme tu as trouvé ce qui va avec pour moi là, laisse-les. Tant qu'ils n'achètent pas tout ce qu'on a déjà sorti là, on ne sort plus. En attendant maintenant que je vais être ton mari avec le blanc là, nous trois. Si tu veux, je te donne mon mari blanc. Je te donne mon mari blanc. Hein? Je veux chercher l'autre. Moi, je suis déjà ici. Je veux chercher l'autre, ma soeur. Je veux que tu accouches. Mais le père, là, est boy. On dit qu'il doit être viril, là, Karine. Vous voyez, la matière, là, elle va comme ça. Hein? Parce que nous, on vient souvent parler les choses des gens, on ne connaît pas. Moi, j'ai déjà fait les choses sexuelles. Les Turcs sont virils. Moi, ils croyaient alors. C'est mon saut turc, il habite pas loin. C'est voilà le quartier des Turcs, pas loin, de l'autre côté là-bas. Hein? C'est viril, mais je préfère qu'il ne soit pas avec ma soeur Karine. Elle ferait viril ailleurs. Très belle. Mira, you're not far is. Je ne comprends pas. Tu as, pour écrire là, c'est ça qui m'a alors dépassé dans la vie. C'est comme le Nyanga. Dans le Nyanga, c'est le tatouage qui m'a dépassé. À partir du mois de juin, je cherche les gars qui vont venir m'aider pour planter dans ma plantation au Cameroun. Ils vont venir m'aider à planter les palmiers. Moi, je suis un gars camerounais qui a les projets d'être un opérateur économique. Un des bandes zizebou bordel, les bordels comme la Lyon, comme ça, les gens qui vendent les petits constructeurs contrefaçon qui viennent de la Chine. Moi, je veux venir dans mon pays pour travailler la terre et me vanter des mérites de la terre de mon pays. Donc, je veux employer les gars. Le banditisme que vous faites dans le quartier, là, vous allez venir me planter les petits trucs là. Je vous paye. Et voilà, je suis quand même un benguiste. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, je vous regarde vous planter. Je ne peux pas avoir souffert en Europe comme ça et bien encore faire les petits boulots comme ça. Donc, je veux vous contacter au moment venu. J'ai mon manager là maintenant au Cameroun. Je vais chercher un Nangaboko, le président de. J'ai déjà cherché. Le président de Nangaboko à Douala. C'est mon ami. J'ai le projet APK41. Nous avons un projet là-bas, APK40. Il y a aussi un autre projet à Yaoundé. Donc, comme je suis déjà ami avec le président de Nangaboko de Ange Raphaël, choisi et distingué, what do you say? I will try to explain you. Je vais t'expliquer mieux après. Pour le moment là, c'est un tout petit briefing. Donc, les gars là vont faire ça.
après on travaillait. Moi-même, je serai assis. Mon rêve a toujours été que je dois être. Moi, je ne voulais pas venir être en Europe ici. Moi, je voulais avoir ma part dans mon propre pays. Que je suis là comme ça, je sais que moi aussi, j'ai au moins 60 millions dans le compte. Comme ça, hein? Je ne suis pas aussi dans les. On ne me parle pas. Je n'ai plus envie. Et s'il vous plaît, je vous avertis, les gens qui ne font rien là, comme ils viennent au pays là, je ne veux pas le copinage avec vous. Les gens qui restent, ils attendent que leur ami parte faire 11 ans. Toi, tu es là, tu l'attends. Tu ne fous rien de ta vie. Tu attends ton ami qui est rentré. Je suis désolé, on ne sera plus amis. Je vais chercher les nouveaux amis maintenant. Donc, le temps que tu perds là, va en aventure, même en Tunisie. Tu peux trouver ta route là-bas. Ne nous dérangez pas. Et je vais faire beaucoup les petits papiers avec l'itinéraire pour partir en aventure. Quand quelqu'un vient me demander l'argent, je sors l'enveloppe avec l'itinéraire là, je lui donne. Yeah, of course. I was born in French land. Huh? That English now, I just managed to speak it. Huh? I didn't go in school. I tried to speak that English. I was at the street. If I just see somebody, I will say something at French and ask the person how they say in English. That is the point. That is how to learn. Maintenant, quand j'aurai envie d'approfondir, je vais aller à l'école. Je suis un gars qui est intelligent. Hein? C'est seulement que j'aime le banga. Mais je suis un gars intelligent. Même l'allemand, je peux. J'ai un peu les petites bases là-bas. Hein? Je peux sprechen Deutsch. Santé, ma soeur Sangrine Atangana. Je t'aime beaucoup. Ça, Atangana, c'est le nom de mon papa. Donc, tu es ma mère ici, là, maintenant. Je te mandate que partout là où on fait le congoussa de mon nom, tu dois signaler les directs, là. Dis que merci pour le poste qui était donné. Et merci de m'avoir donné la parole. Allez dire à Compressor que moi, Ntolo Elandi Junior, alias Nivakin, le justicier ou la justicière sur Facebook, ça dépend des jours et des gens même qui regardent. Voilà. J'ai dit que la vie ne lui donne pas le privilège de juger Lolo. Parce qu'elle-même, elle en a fait pire. On lui a connu ici sur Facebook dans le mensonge. Où elle nous mentait tous les matins qu'elle partait dans un boulot qui était un boulot normal. Elle nous a menti ici qu'elle savait lire. Le cerveau, là, il n'y a rien dedans. Elle nous a menti ici qu'elle n'est pas bordel. Pourtant, elle saute. Elle, pour monter dans le camion, elle n'a même pas besoin de toucher la porte. Elle plonge seulement, elle est assise sur le capot devant. Mm-hmm. C'est ça. Vous allez faire comment? Donc, avec tout ce palmarès-là, au nom de quoi tu veux juger ta soeur? Au nom de rien. Je préfère Tata Lolo. Compressor, voilà sa question. Tu as parlé doucement. En tant que petit frère et fils, tu es né en 75 comme ma maman. Laisse les histoires de Facebook. Ma mère est née en 75 comme toi. Ok? Ah oui, oui, je sais. So, le conseil que je vais te donner. Tu as déjà brisé le Bangala comme tu as brisé là ou tu as brisé là. Une quantité. Ce que les bordels vont te dire de signer sur le mari de Tui, là, elle te mente. L'homme là va te repartir chez sa femme. L'homme de Tui, c'est l'homme de Tui. Et tu auras perdu du temps. Ton mari, l'homme de ta vie, ton amoureux, l'homme qui est prêt à tout pour toi, qui peut tuer pour toi, Achille Dikolo, il t'attend toujours. C'est ton mari là-bas. Je vais arrêter de te persécuter quand tu vas rentrer dans ton foyer respectif. Je veux comprendre que non, la récession, c'est ce qu'elle a compris. C'est Achille qui est son Joe. Là, je vais dire que, ok, elle a compris. Elle est partie chez papa Gagou. Vous étiez Gagou à deux. Maintenant, te voilà qui part avec Gagou seul. Tu crois que lui aussi n'a pas mal au cœur? Faut rentrer dans ton foyer. Ton mari t'attend. Tu sais qu'il t'aime beaucoup. C'est lui ton mari. Je ne sais pas. Quand on dit qu'un homme te connaît, c'est lui qui te connaît. Je ne sais pas ce qu'il ne connaît pas encore sur toi. Même tout ce que nous, on t'a déjà fini de laver là. Ça ne lui dit rien. Lui, par contre, tu peux. Lui, par contre, tu peux trouver la place là-bas.
Si tu rentres là-bas, nous aussi, on va lui mettre en garde. Vous ne pouvez pas prier Dieu tous les jours qu'il vous donne le mari. Pourtant, vous êtes les femmes officiellement mariées en France. Va aussi d'abord divorcer avec l'homme qui t'avait donné les papiers. Comme ça, nous aussi, on va aller persécuter par Dico Loke, mais le père. Comment? Fais quelque chose. Là, sur ce point, je serai avec toi et moi-même, je vais venir te dire que Marie, c'est pardon. J'ai vu que tu es resté qui a le sens. Mon frère, tu n'as pas appris au Cameroun beaucoup que tu avais le père là. Quand papa dit que lui était là, il tape Hang Hang. Tu es là à Yaoundé. Saka là-bas, il va taper Hangas. Tu reviens. Hein? Laisse. Viens. Viens voir papa Dikolo t'attend. Si c'est Rouen que tu veux rester, on va lui dire que oui, papa Dikolo laisse la mère là à Rouen. C'est à Rouen qu'elle a trouvé la maison. C'est pas facile pour la maison. Mais rentre dans ton foyer, compresseur. Ça fera de toi. Ils vont voir wab biboum. Là où on te fouille, on te tape, mais comme. Je sais pas. C'est pas normal. Tu peux pas faire souffrir le corps humain comme ça. C'est l'amour de quoi? Je ne mens pas, toi-même tu sais que ce qu'il dit, c'est vrai, j'ai la vidéo, pas la petite vidéo que vous avez vue seulement le sang. Of course, hein? Va là-bas, pas l'autre petite vidéo, et à l'autre vidéo, vous vous discutez, j'ai ça, il y a ça ici, pas l'autre petite vidéo, là on vraiment pas dit tout, il y a ça, ça fait mal au cœur. Mais tu prends ça avec tout ce que tu as déjà fini de faire là. Ce que nous on a dans nos ibées là. Hein? Et l'attachement, qu'est-ce qui est plus cruel? Tu veux que je t'attache ou bien tu veux que je te tue? Je préfère être attaché et rester en vie hein, que d'être battu à mort. Ça, il y a un problème quelque part. Je vais couper le direct parce que j'ai mes choses à faire. Pour la fin, je vais encore mettre mon... Non, j'ai déjà trop mis. C'est trop joli. Je ne peux pas exagérer comme ça. J'aime le tir, c'est ça. Fini derrière. Il faut que moi-même, je prends même 16 paquets. Hein. Parce que quand on va voir que je suis beaucoup belle, là, toutes mes copines hypocrites, là, elles vont commencer à vouloir aussi maintenant utiliser ça. Ouais, l'anglais là est beaucoup, hein, ma soeur. T'écris petit. Tu sais que je suis en train de fumer pour lire aussi par moment. Tu vois un peu. Donc fais le français, ma soeur, pardon. C'est aussi mieux, non? On a commencé en français, non, ma soeur? Je m'amusais seulement pour l'anglais là. Who is calling me by this time? Can't you just see I'm online? Hein? Je veux parler tout, ne m'appelle pas, je veux tout parler. Parler tout. Il ne faut pas me téléphoner, je veux parler. Compresseur, rentre chez ton mari, Achil Dikolo. Hein? Vous êtes comme ça, on fait le Congo, ça là, derrière. Si il parle maintenant, si vous me téléphonez, pourquoi vous êtes comme ça? Tu ne raccroches pas, il va dire ton nom. Hein? On fait souvent le Congo, ça là, non. On est trop hypocrite. Pourquoi quand nous on vient parler ici, on dit que c'est nous qui parlons. Pourtant, vous avez des amis, vous parlez derrière. Ces amis viennent comme ça, disent que on connaît. Comme c'est nous, les enfants du fou. Que oui, oh, on va dire que oh, comme tu filmes le bangala, non. On connaît. Ne m'appelez pas. Tu appelles encore là et dis ton nom. Rentre dans ton foyer. Ce sont tes copines là qui veulent que tu rentres dans ton foyer là, qui me téléphonent là. Va. Elles ne peuvent pas seulement te dire. Hein? Depuis que Papa Dikolo n'est plus là, tu ne voyages plus beaucoup. Hein? Tu es là, chaque temps, toujours à Rouen. Pourtant à l'époque de Papa Dikolo. Hein? Un peu comme ça, ping, Dia Yaoundé, Madagascar. Ma pépé, c'est où? Yo, en bas, on est une montagne, en bas, on a un bel iguane à tonton. Toi, donc, combien de manos comme au pépé? Vous avez suivi les noyaux, le charisme. Voilà les noyaux là que vous êtes dans la bastonnade aujourd'hui. Mais, wap, bibom, incapable de parler.
Mais comme les dieux du Congo, ça sont tous dans les environs. Ça arrive, on va tous venir nous envoyer ça. Et nous, on va commenter. C'est ça. C'est dimanche, c'est bon un peu. Quand la famille va m'arrêter là-bas, là, mon poisson au maquereau ici que j'ai fait frire. Tout ça, je mange dans la bouche. Demain, il rentre dans mon foyer. Mon mari lui-même, il sait que je suis un Isingan. Je n'ai pas fait même seulement 4 jours, il fuit encore. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Moi, je ne peux pas que mes ancêtres ont subi l'esclavage et je vais encore vivre ça. Non, 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 non. C'est comme je... Ah, maman, ma peau est jolie. Très belle. Mouah. Très jolie. Ah, Karine. Non. Savon 24 carats gold là aussi. Gold là aussi. On dit que gold, c'est long en anglais. Hein? Les gens qui ont les cervelles comme les passoires là. Elles vont dire que je n'ai rien dit. So, I have to leave you guys because I have to take this call. It's like... C'est comme si l'appel est important. Peut-être on va encore me dire l'autre. Il faut savoir que c'est vos copines qui nous parlent vos vies. Vous savez ça? Ce sont vos copines qui nous parlent vos vies. On n'est pas les magiciens, il ne faut pas croire. Vos copines, elles ont le faux profil. Vos copines, nous on est assis parfois. Tu attends seulement coucou ni j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose là, ce n'est pas l'argent, oh, c'est le Congo. Ça, ma garçon s'est calmé. J'aime maintenant son blogging. Maintenant, elle a enfin accepté qu'elle est une blogueuse, pas une artiste. Besomboa ye ye, besomboa bere nyingamo, somboa ye ye. Asama siya nuntangan, ndeba bere ne fami na ye. Oh mes dieux, hein? Les mères là, les vieilles mamans de Paris là, elles sont là. Soyez, je ne sais pas. Yeme korovaye, yeme korovaye, amone, yeme korovaye. Coco Lago sort dans la maison des gens. On parle, on n'est pas en train de blaguer, pas. Moi, je croyais que toute la gueule que tu faisais là, tu avais trouvé le contrat de bail. Comme tu es sorti du satanisme chez Lady Ponce, maintenant tu es dans la paix du Christ, tu as trouvé. Donc, déjà, la sorcière, c'est toi. Parce que depuis que tu es quitté dans la vie de Lady Ponce, elle va de succès en succès. Et toi, tu vas d'échec en échec. Là, comment tu étais ridicule. Comme une mongole qu'on veut chasser dans un centre psychiatrique. Aidez-moi au secours. Au secours. Appelez la police. Les blancs ne t'ont même pas calculé. Au dinguette. Après, pas encore. Hey, maman, on peut chasser quelqu'un comme ça. Ya, l'oreille, tu ne pouvais pas attendre l'été. Hein? Tu ne pouvais pas attendre l'été. Ou bien vous la laissez même là-bas. Vous lavez la maison. Non, la maison, là, vous sert à quoi? Tu as la maison comme ça, tu souffres, tu pleures, quoi. Ouais. On te donne au cas Sénégal. Mais va à la maison, tu te soignes. Mon mari, mon mari. La sorcellerie triangulaire que vous faites à quoi là. Vous-même, vous allez porter ce que vous êtes en train d'essayer de faire vos Camerounais là. Aujourd'hui, vous bagarrez, tu dors, on te prépare le bouillon. Hein? Vous vous reposez 3 jours, vous recommencez encore. Tu pars encore, tu vas porter. Coco, c'est une sorcière. Quand toi-même tu as amené Coco chez toi, tu croyais que vous allez finir comment? Donc, dis-moi un peu. Dis-moi un peu, tu croyais que Coco et toi, vous allez finir comment? Main dans la main, dans la paix du Christ. Elle t'a loupé. Voilà. Attends quand une autre personne... Là, maintenant, elle ne tire pas à balle réelle parce qu'elle n'est pas sûre de l'hébergement qu'elle aura après. Attends quand quelqu'un va lui proposer, c'est une éternelle assistée. Quand on va encore lui proposer un autre hébergement, là, c'est là où on va alors connaître tes vrais secrets. On va commenter. Oui, on va bien commenter ça. Je vais faire on appelle ça comment? Le débriefing. J'ai déjà 2 téléphones, non. Je fais le débriefing maintenant. Vous voyez comment une Camerounaise est en train de... Elle s'attaquait directement au ministère de la culture camerounaise. Parce que décrire une icône comme Lady Ponce dans la musique camerounaise, c'est en faire de trop.
Et les sorcières comme vous, comme ça, vous êtes derrière dans le noir, vous acclamez ça. Vous voyez que Facebook, maintenant quand ça cuit, tu viens pleurer, tu pleures quoi? Achetez les machettes, vous vous découpez. Oui. Achetez les machettes, vous vous découpez. On n'appelle pas la police. Peut-être vous allez nous sauver. Parce que toi-même, Laurent Mengue, là, tu n'es même pas derrière d'abord. D'une, tu n'es même pas quelqu'un qui peut manquer aux gens. Tu es tout dans les faux trucs. Si ce n'est pas les Bamba, c'est l'histoire des petits gars. Hmm? Maintenant, Dieu merci, tu sors avec un père à ta hauteur. Avant, tu nageais que dans les petits gars. Abba, que bah, Tirnouab, Vervier. Abba, non, c'est partout. Vous voyez? Vous êtes associé pour payer le karma à deux. Tu ne peux pas aider ta soeur dans son karma. Tu vas encore maintenant la foutre à la porte. Hein? N'est-ce pas, vous étiez associé quand elle bloguait, elle décusait les dépenses. Vous étiez associé. Aujourd'hui, tu pleures. Tu pleures quoi? Royaume qui? Tu pleures le sang. C'est le sang que tu pleures. On ne savait pas que l'enfant a pourri dans ton ventre. Moi, l'histoire là m'intéresse. Vous allez seulement me raconter l'histoire là. Vous montez, vous descendez. Mais l'un là en ville. Vous allez me raconter ça. Parce que c'est vous-même qui êtes venu avec le problème là. Moi, je n'étais même pas au courant que tu avais fait les enfants ont pourri dans ton ventre. Hein? Vous allez regarder à côté comme ça. Celle de Coco Lago. Elle baise déjà avec le soi-disant frère. Elle combo avec lui. Hein? Parce que c'est aussi une cuisse légère. Elle ne fait pas seulement dans le machiavélisme, mais il faut aussi dans la légèreté des cuisses. Surtout quand elle sait que non, elle peut s'accaparer de la vie de quelqu'un. Hein? Elle est restée comme ça, elle dit que maman a une l'air de femme comme Lorraine Mengue, maman. Pourquoi? Amoudé, jusqu'à un homme l'a acheté la maison. Vous voyez, vous invitez souvent les sorciers, vos sorciers à venir communier avec vous. Aujourd'hui, tu appelles à l'aide. Elle va rester dans la maison là. Vous êtes les deux femmes du monsieur là. Allez faire l'amour. Maintenant vous pleurez. On l'appelle encore. Elle aussi, elle marche comme une dungourou. Elle n'est pas encore entrée dans la même maison qu'on l'a chassée. Elles n'ont plus honte. Elles ont normalisé la chose. Pour elles, c'est normal. Qu'avec tout le tapage qu'elle a fait sur Facebook, hein, la manière dont on la chasse, elle est délogée. Hein? Le bavardage n'est pas à la hauteur de la manière dont on te déloge. À ma façon, non, on dit que ta voiture coûte 300 euros. Ce sont eux qui parlent de Dieu tous les jours. Tu es allé faire 4 semaines à Lourdes. À Lourdes. Vraiment ton cas. Il faut aller chez les. Il faut aller au Vatican. 4 semaines à Lourdes. Dieu n'a pas pu débloquer ta situation à plus de 27 ans de bain. Que tu aies un logement fixe. Tu ne trouves pas que tu as un problème. Tout le sang de tes copines que tu as dans tes mains, Coco Lago. Coco Lago que vous voyez ici. Elle a fait rapatrier sa propre soeur, sa demi-soeur. Hein? Aujourd'hui, c'est que c'est Lady Ponce qui a envoyé. Donc, en fait, elle est tellement stupide. Elle est tellement stupide, ridicule, plus que tout. Elle pense que Lady Ponce n'a que le temps là. Donc, pour toi, la vie de Lady Ponce tourne autour de toi. Elle doit chercher comment on doit te tendre les pièges. Tu es comme l'autre femme là. L'autre aigrie qui s'est calmée sur les réseaux sociaux, qui revendiquait qu'elle est une grande écrivaine ou c'est quoi là. Hein? Vous êtes toujours en train de justifier votre échec, votre bêtise. Hein? Quand la vie vous sert la merde que vous méritez, c'est toujours de la faute des autres. Aujourd'hui, c'est que c'est Lady Ponce qui a envoyé Lorraine Mengue. Quand tu regardes la cronche de Lorraine Mengue, Lady Ponce, elles peuvent se dire bonjour dans la vie. Hein? Ce sont les petites approches que nous tous on se fait sur Facebook ici. Il y a les gens ici sur Facebook, moi-même qui n'ai rien ici. On ne peut qu'être amis virtuellement. On ne peut pas se rencontrer dans la vie. Tu portes alors ta grosse bouche et minome can. Les fesses sont déjà dry, comme on dit en anglais, séchées. Hein? Comme le porc fumé. Comme le porc fumé. Tu es là dans la maison des gens. Je demande que Coco Lago fait la formation aide-soignante ou auxiliaire de vie. Non, parce que toi, tu es toujours en train de prendre soin des gens. Toi, tu es toujours dans tes plaintes, en fait. Tes plaintes sont tout le temps, elles sont toutes similaires. C'est que quand vous voyez Coco Lago se plaindre,
Elle a pris soin des gens et puis on a prêté reconnaissance envers elle. Dans ce cas, tu ne prends plus soin des gens, tu prends soin de toi. Si tu n'arrives pas à prendre soin de toi, que chaque fois toi tu prends soin des gens, c'est que la vie t'a condamné à prendre soin des gens. Faire auxiliaire de vie, ça peut te convenir, non, ma soeur? Et je suis sûr qu'on cherche dans le bac derrière, Coco Lagos n'a pas les papiers. Parce que ma Carl Wogazote, une femme, parent d'enfants française, caolotisée en France. Et dans les petits villages là où elle habite, là, les villages où on donne la maison sociale très vite. Ma Gazon a déménagé de Paris. Hein? Elle aussi, elle avait ce problème de SDFH. Ma Gazon a longtemps été SDF ici. À l'époque, Mathieu Mbarga, l'écrivain, son mentor, quand il avait chassé, il a délogé sur le lit Picot. C'est ça qui l'amène à Belfort. Aujourd'hui, elle a son appartement. Si tu as réellement les papiers, va faire la demande. Coco Lago, tu n'as pas les papiers. Je vous dis ça. La femme là n'a pas de papier. Vous ne pouvez pas me dire qu'une femme qui a les papiers, parents d'enfants françaises, hein, elle fait partie des ayants droit selon la normalité de la chose. Elle n'habite pas à Paris, que c'est à Paris que les demandes de logement font 30 ans. En province, ah, me fan, tu n'arrives pas à te taper un logement que tu étais à Lourdes 4 ans, 4 semaines. Non, mais tu veux tromper la vigilance de qui? Tu as un problème. Tu n'as pas de papier, Coco Lago. Tu n'as pas de papier. La femme là n'a pas les papiers. Hein? Je finis. Coco Mimban n'a pas les papiers. Voilà, virus Lydia. Ah, pas que le tapas ici. Moi, je savais que virus Lydia était allemande. Donc, même moi, même le mandem sorci, je peux caolotiser les bêtises. Hey, yeah! Avec les autres femmes de Facebook, celles qui ressemblent à Michael Jackson ici sur Facebook. Elle aussi, elle parle la chose de Lolo. Vraiment, hein. Les gens qui font le déni de leur propre régime, de leur... Vous êtes doux. Parce que vous parlez un Ewondo qui est même souvent un Jala. Hein? Vous êtes doux. Nous, on veut savoir. Mine Boriave, Mene Mane Yande Yafano, Yom Toma, Nungwane Tenga, Yann Kolomessi. Et vous? Vous voulez tout forcer. Comme à Yaoundé, nous, on a l'hospitalité. Vous voulez tout forcer. Oh, Anna Amougou, Anna ceci. Vous êtes doux. Dites-nous vos vrais villages. Vous ne pouvez pas tromper notre vigilance tout le temps comme ça. Hein? Vous ne pouvez pas tromper les gens comme ça. Vous avez commencé. Vous voulez faire la paix avec moi. Tout le monde qui insulte Lady Ponce. Moi, je vous dis alors que pour Lady Ponce, il peut clasher n'importe qui ici sur Facebook. Donc, je dis n'importe qui, je peux clasher pour Lady Ponce. Je clash tout le monde, Facebook. Oui. Et vous voulez clasher mon master. Vous m'envoyez les élans de solidarité. Pourquoi? Anna Amougou. Anna Amougou. Vous êtes d'où? Votre village, c'est où? Anna Amougou. Anna Amougou. Imbenye. Ibefier. Isabel. Anna Amougou. Anna Amougou. Comme les hiboux, champions pour acheter les problèmes des gens. Vous êtes, franchement, hein, si moi j'étais vraiment comme vous, c'est que je sais que je regarde les réseaux sociaux perchés. Moi, elle dit, pense comme vous nous voyez là. Dis-moi, dis-moi. Hein? On a fouetté Coco, tout le brassard que Coco m'embarmait là. Après, il m'a dit, le rêve, il m'a dit, Anna Amourou, Anna Amourou, les soi-disant écarts de la toile. Anna Amourou, quand vous voulez ternir la réputation des vous voulez vous salir, hein? C'est le nom écart que vous portez sur vos têtes. Anna Amourou, vous n'êtes pas les Anna Amourou. Anna Amourou, Anna Amourou, insultez les dépenses. Mouanbe fier, ben que. Les Michael Jackson de la toile. Me barre, soit je suis revenu, hein. Aïe, aïe, aïe. Je ne cours pas. Nous vivons. Et nous verrons. Ici sur Facebook. Vous les abeilles. Qui allez communier. S'asseoir avec la chose. La petite écervelée qu'on appelle la lionne. Claude Akam, regarde les directs avec la lionne. Je t'ai vu là-bas. Oui, oui. Je t'ai vu là-bas. Vous partez vous asseoir. Elle ouvre ce qui lui sert de bouche, son camembert. Anna Amougou.
Les gens qui veulent devenir Kangala. Toi, en train de venir parler des autres femmes, ce que vous avez même, hein? Ce que vous avez même, on ne voit pas. À part le gens sans que vous ressemblez à Michael Jackson, moi, je ne vois pas vraiment quelque chose d'extraordinaire sur vous, hein? Par moment même, on a l'impression que vous vous ressemblez même aux travestis. Si les gens ne vous connaissent même pas comme les femmes qui ont accouché, quelqu'un peut rester dans sa décision que lui, il est ferme, que vous étiez des hommes avant. Hmm? La beauté vous a envoyé au répondeur. Vous existez par le bien et le canal du Ndjansan. C'est à travers le Ndjansan que vous avez un peu la visibilité. Vous avez fait ça pour essayer d'exister. Alors, vous venez vous asseoir, vous voulez salir, ternir la réputation d'une artiste comme Lady Ponce, qui s'est fait elle-même orpheline de père et de mère. Et vous voulez que nous, on vous soutienne. On va vous dire, on va vous rappeler que vous êtes des travestis. À un moment, on va vous rappeler ça. Hmm? Aquaba, Boogie, je t'aime, comme tu m'as dit le mot là. Je t'aime déjà. Hein? Et puis derrière ça, il y a les Camerounais aussi qui soutiennent ça. Hein? Dès que tu vas parler, on va te taxer de pédé, on va te taxer d'homosexuel. Vous pensez que des femmes comme ça, des travelotes comme ça, s'il faut juger selon le bien et l'existence de chacun, et ce que la saleté que chacun a commis ici, là. Les mères, là, on a parlé du porti-porta. Elles se sont agitées. Pourtant, c'est une filière qu'elles connaissent. Les femmes qui sont arrivées en Europe en 2000, elles connaissent l'histoire du porti-porta depuis 20 ans aujourd'hui. On a parlé, comme on a voulu attribuer ça aux influenceuses du Cameroun, aux petites web-comédiens, là. Parce que là, tout ça a aggravé la frustration, la jalousie et l'aigreur. D'accord? Comme elles voient que les petites filles là, elles brissent toutefois en fer de trop. Elles ont besoin de frotter. Pour qu'un gars les appelle chérie au Cameroun, il faut qu'au moins 30 Western Union soient déjà passées. Si elles ne donnent pas l'argent, elles sont condamnées à ne pas jouir. Hein? Elles font l'amour seulement quand elles partent se prostituer. Qui les baisse, les mères là? Qui les baisse? Je vous parle la vérité, je suis avec les mères là. Personne ne les baisse. Quand elles font l'amour, c'est le client. Dans le client, c'est le Ndjangui, tu ne sais pas alors celui qui va arriver, qu'il est beau, bien qu'il a l'automaillant, la quantité que tu aimes. Hein? Vous allez alors voir les mères là ici, quand elles voient les petites filles là comme ça, comme la petite qui s'est mariée avec le gars qui est beau, qui a les yeux bleus là, que je voulais le gars là comme ça, mais elle a pris Rosine, le mari de Rosine là est beau. Hein? Quand ils vont voir que Rosine a un beau petit gars comme ça, elle-même elle a de la prestance. Elle a sa petite vie. Elle a joué son tierce au Cameroun. Qui ne veut pas être bien dans son pays? Dites-moi la vérité. Vous enviez les Mbengis, vous qui avez la position au Cameroun. Là, je me moque de vous. Hein. On est parti parce qu'on n'avait pas ce que vous avez là. C'est ça. C'est pour ça. Donc arrêtez de nous envier Ndjor, Lorraine Con. Ouais, voilà ma personne ici là, mais comme je l'ai manqué, elle n'est pas fidèle. Je l'ai vue, elle est dans les Congos, sans même de mes détracteurs. Mais je te pardonne, notre amour recommence. Parce que moi-même, j'ai cherché, je me suis absenté très longtemps. C'est pour ça que tous mes quotas ne sont pas là. Mais dites-leur que je suis revenu. Allez m'appeler Socor officiel. C'est la seule page que je permets. Sans modération, publie mes vidéos. Le reste, la chose qu'on appelle Nathalie Babale. Mininga Avina Ndagundwen. Un loi en Moranga bien les trisomies 26. Seigneur, pardonne-moi, elle touche du bois. Maïri ma bien bois, ne bien bouge, je ne doute tout. Mais c'est qu'elle m'a provoqué. Elle gagne l'argent avec mon. Elle gagne l'argent avec mes conneries que je dis sur Facebook. Elle ne me respecte pas, moi, son employeur. Moi, son employeur, je vous promets, Barbara, je ne vais pas vous quitter longtemps comme ça. Hein? Parce que vous ne m'entretenez pas. Moi aussi, c'est le père qui m'entretient. Je dois concentrer mon temps et mon énergie sur le père. C'est le père. Assurance vie. Oui, oui. C'est là-bas, c'est mon espoir. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans les histoires que non, j'ai mis avant. C'est à l'école primaire que je cherchais l'amour et les amis. Là où je suis ici, je peux me marier avec quelqu'un qui n'a même pas les yeux et les pieds ou les bras.
Si il me donne l'argent, on est ensemble. Je l'aime jusqu'à la tache au dos. Je marche, je pas en boîte avec lui. Partout, jusqu'à que quelqu'un le grague, je bagarre. On me perce la tête. C'est mon goût. Là où il y a le cap, c'est là où mon amour se trouve. Je ne suis pas dans les histoires que le gars est beau, le gars est hacké. C'est dans ma, à l'époque de ma fringante jeunesse. Allez demander Fès, Rabat, Casablanca, parce que moi j'ai grandi au Maroc. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Maroc. 16 ans, je n'étais plus là-bas dans mon pays. J'étais à Coyote. Vos petites injures que vous m'insultez ici, ça me fait quoi? Rien. Il ne voit pas ce que... Par moment, vous savez... Quelqu'un m'a dit dernièrement que va voir sur YouTube, l'autre t'a insulté. Donc, quand vous me regardez ici, du haut de mes 1m86 pour 69 kilos, oui, vous vous étonnez de mon poids. Même mon poids est sexuel, 69. C'est une position sexuelle. C'est un gars très sucré, nu. Je dis que quand il me met debout, je n'ai jamais marché devant quelqu'un debout. Il dit, quand je suis même devant une fille nue en caleçon, j'aime les petits caleçons blancs. Elle oublie d'abord mon côté là. Elle veut d'abord goûter ce qu'il y a là-bas. Après, on va parler l'autre français là après. Quand elle vous dit que je suis très sucré nu, ce n'est pas. Je suis bien nu. Mais un petit, nu, c'est dedans. Donc, laissez ce que vous faites là. Là où vous me sabotez, ça ne marche pas parce que moi, je ne suis pas un gars qui cherche les choses noires. C'est vrai que j'aime les choses noires. Hein. On me donne et prend. Tout le monde aime quand pour lui est bien. Mais ce n'est pas ma priorité. Je ne me vois pas en train de privilégier un rienneux qui me donne rien. Parce qu'il a les pieds hackés. On va manger quoi? C'est lui qui va enterrer mon père Fanoyo. Ou bien ma grand-mère Ndjongmelen. Jamais. Non. Je ne peux pas rester là. Quand quelque chose m'arrive au Cameroun, il dit que mon chéri, mon amour, est-ce que tu sais que c'est mon père qui m'a mis au monde? Mon père et ma mère sont mes parents. Quand il lui dit déjà, ça lui même, il comprend que c'est minimum 7 colos. Un mois de salaire. Je veux ça. 7. Tu me payes le billet d'avion et pas fini de faire des rentes. Je ne veux pas qu'on m'entende que quelqu'un est pédé, les pédés de la honte comme vous avez ça dans vos familles là. Venez nous parler ici. Parlez vos cousins qui sont les bordels, qu'on baise en bas des manguiers, vos cousins qui sont les tiquintui. Moi, je serai à côté quand on m'appelle. Ma grand-mère m'a élevé. J'aime ma grand-mère plus que ma mère. Moi, ma mère et moi, on est comme grand frère, petit frère. Elle m'a eu, elle avait 17 ans. J'ai grandi avec ma maman. C'est ma grand-mère qui est mon, je ne sais pas. C'est là-bas, ma faiblesse. Donc, je veux venir être avec quelqu'un qui ne peut pas. Quand on me dit que ma grand-mère, quelque chose, pour faire quoi avec toi? Pour faire quoi avec toi? Non. Vraiment, je parle à mon avenir à assurer. Même si on n'a pas les pieds là-bas, même si on ne voit pas, si on me garantit que c'est là-bas qu'il y a mon amour. Exactement, net, net. C'est comme mes amitiés aujourd'hui. Si tu es seulement que tu aimes seulement le Congo, ça, il veut parler quoi avec toi? Quand il veut t'appeler que j'ai un problème, il veut t'appeler que ma copine, j'ai un problème au Cameroun, tu vas me dire que telle ne sort plus avec telle. Il fait quoi avec ça? Ma copine, j'ai un problème au Cameroun. Ouais, tu es où? Je viens te trouver à la maison. Même l'assistance pour parler avec moi, pour me soutenir, c'est déjà ça. Ou fréquenter les coyotes, les bordels. Et les filles qui aiment l'Odeï là, elles vont aller au deuil de Tata Céline là-bas pour aller se faire voir avec les fausses talons, le boutin. Il faut qu'on mette le dress code. Vous ne pouvez pas venir vous foutre des gens comme ça qui sont en train de pleurer leur maman. Vous venez avec vos faux talons, le goûtant avec les semelles qui vont rester là. On va mettre le dress coat. Pas de talons, je suis basse. Les hommes, pas de costume. On est en hiver en jogging. On est au day. On vient au day de manière débraillée. À tout moment, l'émotion peut nous prendre dans le cœur. On commence à pleurer, on s'enroule au sol. Et vous-même, vous savez, s'enrouler au sol avec un costume, ça ne fait pas l'élégance. On va mettre le dress coat. Les bordels qui ont déjà les perruques blondes là, qu'elles vont aller là-bas, garder vos perruques, attacher les foulards. C'est le deuil, ce n'est pas la soirée. Parce que vous chauffez un peu trop. Vous commandez à les habits sur AliExpress pour aller vous faire voir. Dans le deuil, les enfants de tuer sont en train de pleurer leur maman. Vous allez partir parce que tel fémant t'avait barré avant. Comme tu entends qu'il sera dans le deuil là.
tu as contacté ton fournisseur en Chine. Que cherche-moi la dernière talon haute de Louboutin. Qu'aux semelles rouges. Elles vont alors venir laver les perruques. L'hypocrisie. Mm-hmm. Elles vont venir faire la sorcellerie. Si c'est moi, vous racle. Je te pousse. Tu tombes. Je dis que je pleurerai. Je serai là-bas. Attendez-moi, je vais venir au-delà. Je serai là-bas. Je vais vous guetter au coin comme ça. Tu peux envoyer la perruque. On fait les boucles. Hein? Elles vont se coiffer comme les mariées. Pour aller au-delà. Pour se faire voir. Pour vous inviter même souvent. Moi, franchement, je ne sais pas si moi, je perds quelqu'un. Il veut même faire moi-même la vie. Vraiment. Parce que des choses comme ça. Est-ce qu'il va arrêter la bagarre à quelqu'un? Okay. Que te dit qu'elle te fait la veille, tu débarques avec une minute, il te racle. Il t'arrête la bagarre. Déchire les habits là sur toi. Arrêtez les comportements là, vous les Africains. Habillez-vous de manière décente. Habillez-vous décemment quand vous partez dans les deuils des gens. Et qui est que j'ai décidé de ne plus te parler comment? J'ai des choses à faire dans ma vie. Vous voyez les choses même qui n'ont rien. Tu vois, c'est eux qui se plaignent beaucoup, beaucoup, trop. Non, 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 non. Je ne parle pas, j'ai d'autres choses à faire dans ma tête. Je n'ai pas envie de parler, ce n'est pas qu'il y a un problème avec toi. Les choses que toi et moi on fait souvent, je n'ai pas le temps pour ça actuellement là. Attends quand l'envie là va me prendre. Hein? Envie d'aller se mélanger une dior là. Quand ça va me prendre, je vais venir. Le poisson ne fuit pas l'eau. On est là, on sait qu'on va tous s'accraper, mais on ne perd pas les raisons. Là, on ne perd pas l'objectif, on doit toujours se focaliser sur ça. Pour le moment, là, je n'ai pas les envies, là. Je vais te parler après, mon frère. C'est vrai que tu es un gars, tu me fais du bien de temps en temps, mais pour faire l'argent, pour faire la vie. Quand doit aller les gars, Bassa, je ne sais pas ce qu'il veut faire des gens, là. Je ne sais pas. Ou bien c'est moi, mon sort. Attends, peut-être même la semaine sur prochaine, au mois de janvier, si nous a trop menacé. Et vous savez que moi, je n'aime pas faire certaines choses dans certains endroits. Je suis alors obligé que, comme je suis déjà même âgé là, il faut alors regarder l'hôtel. C'est des dépenses. Pour le moment, on n'a pas le temps là. La semaine sur prochaine. L'argent va sortir à partir du 28, 29. On va vous contacter. Puis on va faire ça. Quand ça finit, on attend encore. C'est votre salaire. Chacun a là où il prend pour lui. Je ne peux pas vous en vouloir. C'est votre niveau là-bas. 150, 100. C'est votre niveau. Entre-temps, comme nous-mêmes, on sait que nous, on calcule aussi ce qui est plus high ailleurs. Donc voilà pourquoi on se dit, pourquoi on va bloquer l'avenir des gens. On vous donne. Je ne sais pas que nous, on paye, hein. Parce que certains là se disent souvent qu'ils sont. Vous n'êtes pas les gigolos. Vous n'êtes rien. Un vrai gigolo à Paris, il a d'abord la graisse. Mm-hmm. Gigolo sans la graisse là qui dort à 7. Quelqu'un qui n'a pas les papiers dit qu'il est un gigolo. Hein? Quelqu'un qui n'a pas de papier, il dit qu'il est un gigolo. Vous faites ça comment? Tu n'existes pas encore dans le monde du gigolisme. Si les gigolos de Paris entendent même que tu te présentes comme ça, ils seront fâchés. Pour être gigolo, il faut d'abord avoir le boarding pass de Paris. Ça veut dire que quand tu arrives dans une boîte sans que tu ne dises que tu es là, le DJ te repère. Hmm? Il dit, Serge Le Mignon est dans la salle. Nous, on entend souvent les choses comme ça, dès qu'on entre dans les boîtes. Je n'ai pas moi parler le long de quelqu'un. Oh. Quand vous aimez le Congo, ça, vous allez enregistrer la partie là pour aller dire, moi j'étais déjà en boîte, j'entends Serge Le Mignon est dans la salle. Ce sont les gars. Vous voyez les petits gars, il n'a pas les papiers, il dit qu'il est gigolo à Paris. Il n'est rien à Paris. Rien. Il est là que le jour, sa tête va exciter quelqu'un. On lui donne 100 euros. On utilise ça.
Ou bien il y a ceux-là aussi qui sont gentils, non, quoi qu'on les utilise, eux qui nous utilisent, mais vraiment chacun. Bonne année, et qui j'ai déjà dit bonne année ici. Je suis en train de parler des gens qui s'appellent que gigolo là. Moi j'ai déjà été en boîte. Que je suis en train d'entrer comme ça. Je suis même fâché. J'entends seulement que Serge Le Mignon est dans la salle. Et qui est. Ha! Maman, on dit au bordel que le petit capital que vous avez là. Si vous voulez faire comme vous connaissez là. Gardez-le. N'achetez pas le cristal avec tout. Serge Le Mignon est dans la salle. N'enregistrez pas la partie là pour dire que je suis venu clasher les gens. J'ai parlé ce que moi j'écoute dans les boîtes à Paris. Serge Le Mignon est dans la salle. Un gars que même quand il porte le peignoir, il est sexuel. Même quand il se réveille, il est sexuel. Je sais pas. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Il y a les gars, si tu le vois, tu as seulement envie de faire. Donc même si tu n'avais pas ça dans la tête, tu as envie de faire. Ce sont les choses qui devaient exister, que l'homme on donne. On doit se payer de temps en temps. Quand ton frère a été plus sexuel que toi, tu lui dis que mon frère, c'est comment? Tu prends combien? Prends pour toi, tu me donnes ma part dedans. On est clair, bien simple. Les blancs font ça, hein? Moi, j'avais, je vais vous expliquer. J'avais rencontré un dentiste quand il venait d'arriver en Europe. Moi, j'étais sûr qu'il trouvait le mariage. Il m'a dit que non, moi, je préfère moi te payer. Je n'ai pas le temps d'entretenir une relation. Je n'ai pas le temps que quelqu'un va m'écrire. Je préfère que le jour où je pense à toi, je t'envoie un message. Est-ce que tu es là? Si tu réponds aussi. Il me dit, hey, franchement, moi j'aime les brins, ils sont cachés. Il me dit bien, de toute façon, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Il y a les Brésiliens, il y a les Cubains, il y a même les autres gars noirs. En plus, on est à Paris. Moi, j'étais derrière là, il me voyait derrière que maman, il voit la maison jolie comme ça. En plus, qu'il est au balcon, il voit la tour Eiffel. Il dit que, hey, maman, il veut venir laver le sol ici. Moi qui n'aime pas, il ne fait pas les choses comme ça. Jusqu'à ce qu'il repasse la vie. Il me dit que non, si tu veux même, tu me laves. Moi, je veux commencer à... Il m'a dit qu'il va penser vivre avec quelqu'un à 60 ans. Il avait 45 ans. Je regarde ma vie. Je dis que donc, je veux... Ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai compris. Moi, je suis parti. Au moins, il m'a dit la vérité. Il y a les blancs, là, ils sont malhonnêtes comme les noirs. Il ne va aller nulle part avec toi. Tu vas tourner là comme le mauvais esprit. Tu vas l'acheter les chemises. Tu vas repasser. Tu vas l'acheter les caleçons, les chaussettes, les parfums. Tu changes même. Elles sont là, elles mentent. Elles disent que c'est leur mari qui leur donne l'argent. Hein. Beaucoup là, elles travaillent leur argent. Hein. Le blanc là, ne leur donne rien. Rien que le palmarès qu'elle a avec le blanc. Elle tourne comme ça que même si sa mère l'appelle à qu'elle veut 50 euros, chap, elle ne peut pas donner si elle n'a pas ça. C'est un de ces shows qu'elle va appeler. Elle peut dire ça au blanc. Le blanc va lui dire que tu donnes l'argent à ta mère, pourquoi? Ta mère n'a pas travaillé dans sa jeunesse. Pourquoi tu lui donnes l'argent? Tu donnes l'argent à tes frères, pourquoi? Non, donne-le ton argent, moi, elle n'est pas. Elles sont là, elles ne parlent pas. Mais quand elles vont entendre qu'on a attaché une fille, elles vont sortir avec les gros nez. Celle de Patricia Mel, le nez comme la devanture du camion. On est là. Moi, en tout cas, moi, je ne peux pas moi rester avec un tang qui me donne rien. Vraiment, mieux, reste comme ça. C'est pour ça que moi, je préfère moi souvent dire au début. Et je vous dis, le meilleur mari, même, c'est les filles qui rencontrent. Merci. Les meilleurs mariages, c'est les filles qui rencontrent que leur mari était d'abord leur client. Quand un homme t'a rencontré, même dans la bordellerie, il sait que la fille aime l'argent. Le jour où il fait l'erreur de ne pas te donner, tu vas rentrer dans la même bordellerie. Les saintes qu'on rencontre souvent au bureau, là, en route, celles qui sortent de l'église, là, c'est elles qui sont obligées d'accepter ça. Hein. Parce qu'elles ont déjà monté une image que parfois même elles ne sont pas ça. Le jour là, elle est allée à l'église parce qu'elle avait trop de problèmes. Maintenant, là, elle va alors rencontrer le blanc, là, va voir une fille. Parce que les gens, s'ils sont vicieux, ils peuvent aller se placer devant l'église comme ça que lui veut épouser la fille africaine qui va voir sortir de l'église, là. C'est comme ça que les blancs sont, hein. Tu vas alors voir comme ça, dès que le blanc va parler, elle va dire, moi, dans ma famille, 5 ans, je priais, le ciel s'ouvrait. Où? Elle prie où? C'est que les problèmes l'ont déjà malcrité la qualité que elle aussi par l'église comme ça pour implorer le salut.
Elle va prendre le tube comme ça. Le type va partir avec elle, maltraiter jusqu'à. Hein? Les blancs les maltraitent ici. On les maltraite dans les maisons ici. Dans les filles, là, sont, leurs maris blancs les tapent. Surtout les hommes allemands. Les hommes des pays scandinaves, là. Suède, Norvège, Finlande, Pologne. C'est des blancs qui sont allemands. Ils sont debout. Hein? Ce n'est pas. Ne croyez pas que comme vous voyez les chingales comme les Français. Non. Hein? Les blancs des pays nordiques, là. J'ai dit que même le Bangala, c'est gros. Ils sont debout. Si tu veux vraiment être qu'une fille qui n'aime pas les noirs et que tu aimes le plantain, hein, ma soeur va dans les pays scandinaves, tu vas trouver garçons. Les Danois. J'avais un gars danois qui avait 2 mètres. Regardez, moi j'ai 1m86. Qu'il m'a salué, lui, le gars, comme ça, il dit que non. Tu ne peux pas être avec quelqu'un comme ça, jamais. Musculé le corps, puis tu dis la taille comme ça, je peux lui faire quoi? Il me racle, il m'envole. Ceux qui disent souvent que les blancs n'ont pas la force, dit que avec une main, il te règle le porcret. C'est les pineurs, les filles qui disent c'est les Bangala, la belle, les mères de Paris, là, allez au Danemark, allez en Finlande. Ne dites pas qu'elle ne vous a pas aidé. Nous, on a fui là-bas, on était là-bas, on a fui. Comme on sait que vous aimez l'écrasement, là, non, vous en faut là-bas. Allez vous faire écraser. Maître, jusqu'à rester comme ça, elle dit que non, moi, il n'est pas moi connu la qualité d'homosexualité là. Moi, c'est qu'on peut aussi dormir comme ça, on reste tranquille. C'est quoi? C'est quel genre d'appétit comme ça, mon frère? Non, non. Hein? Allez là-bas. Vous allez venir me dire. Vous parlez seulement dans la bouche, vous êtes les petits enfants. Et les pères là, non seulement ils ont les bonnes positions. Vous allez voir, c'est des pharmaciens, des dentistes, des chirurgiens, des médecins, des ceci. Ce n'est pas des rienneux que le seul diplôme qu'il a, c'est son diplôme de beaux-ailleur. Tu fais quoi dans la vie? J'ai beaux-a. Au calme. À part ça, il n'y a plus l'autre. Sauf ce que toi-même, tu vas venir créer. Après, elle va t'abandonner, va aller prendre une autre fille là. C'est leur sort. Les pères là, mouin, tu es un d'ailleurs d'abord dans l'assurance vie. Si tu es dans l'assurance vie, tu es marié, si avec ton mari, vous avez l'assurance vie. Et moi, on te donne l'argent. Hein. Ça n'a rien à voir d'abord avec l'héritage. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'abord l'argent qu'on te chasse d'abord, que pleure un peu. Pleure bien. Pour la vie. Ça. On te donne d'abord ça. Et vous voulez me dire que moi, je vais laisser tout ça. Avec la manière dont j'ai souffert pour venir ici en Europe, je vais venir aller m'allier derrière un Ndurungeme. Qu'il cherche 100 euros pour envoyer à sa mère. Moi-même, je cherche les mêmes 100 euros. Après, on dit qu'on est en couple. Jusqu'à on bagarre. On cherche. Tata Lolo qui est derrière le père là, s'il te plaît. Je vais t'amener au Danemark. Merci, Mickey Fashion Fax. Wax. Hein? Qui derrière le père là? Tu es ma personne, je vais te chercher. Toi, dis-moi seulement que tu es quitté là-bas. Je prends ton table. Je prends pour toi la responsabilité. Mm-hmm. Je te trouve. Même ici en Belgique, si tu veux un homme, un menjoum, comme disent les bagantés, tu pars en flanque. Il y a les hommes. Hein? Grande taille. Pas les fiengales blancs que les filles épousent, vous voyez. Ouh, les marais d'internet là. Les choses qu'il y a, on a l'embarras, on n'a pas le choix là. Ici, tu as l'autre. Là où je vais t'emmener, tu auras l'embarras de choix. Toi-même, tu marches en route comme ça. Hein, à Cape Town, tu vois les Danois. L'homme est debout, il marche comme ça. Le costume, bien. Les femmes, alors la femme. Quand tu es au Danemark, tu vas croire que toutes les femmes là-bas, c'était les hommes avant. Hein. Même les femmes... Elles sont là. Okay. Une femme, elle est une belle blonde. Elle est debout, mais alors elles ont les grosses choses, les pointues, mon frère. Que tu connais les jolies comme ça, dès que tu guettes un peu le pied, là, tu soulèves un peu le visage. Une femme policière qui m'avait gragué. Une femme policière m'avait gragué au Danemark. La mère à ses pieds, mon Dieu. Moi, je ne savais pas qu'elle veut me graguer. Moi, je crois qu'elle veut me déranger. Qu'elle veut me déranger les histoires de papier là. Donc moi, je suis à témoin de l'éviter.
Elle m'a parlé, j'ai donné ma carte d'identité, mon passeport. Elle regarde, je ne suis même pas moi avec elle. Après, elle me demande, « Do you have a girlfriend ?» Parce qu'elle parle en anglais. Je lui ai dit, « Mais pourquoi ça? Quoi avoir avec eux ?» Tu veux contrôler. Tu veux contrôler ce que... Elle me dit que non, je te trouve bien. Moi aussi, sur le coup, je n'ai pas... Je pouvais même manger là-bas. J'ai seulement dit que non, I'm gay. J'ai quitté le pied de la mer là, comme ça. Elle m'a dit, sorry, désolé d'avoir posé la question. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je me tourne encore la mer. Maman, elle est géante jusqu'à... Elle ne veut pas voir la qualité d'un gars là avec ma bouche. Tu sais qu'elle va me mettre dans le sac souvent pour me battre. Elles ne sont pas les histoires que les gars disent qui tapent les femmes là. Une femme policière. Tu vois d'abord la manière dont elle a attaché le ceinture là au ring là. Tu regardes la femme là comme ça que celle-ci pour jeter la femme sur le sol. Il n'y a que sexuellement que tu peux la soumettre. À part sexuellement, tu ne parles rien avec elle. Que tu veux amener le ham là et finir avec toi. Vous savez généralement les femmes comme ça, ce n'est que sexuellement qu'on les soumet. Hein. Quand une femme a trop la force comme ça, si ce n'est pas la force du zizi, tu vas lui soumettre, tu vas soumettre avec quoi? Et moi, elle ne voit rien d'autre. Tu vas lui dire quoi? Je vais te parler. Elle te racle. Tu montes. Il faut qu'elle aime ton affaire. Tu dis, engenoue-toi ici là. Tu baisses la culotte, tu mets dans la bouche. Tu dis, maintenant chante. Comment tu appuies la tête fort comme ça? Dès qu'elle a fini de jouer là, il ne faut plus parler malinger. Il faut soigner ton langage. La jouissance est à passer. Son instinct de policier peut réussir à tout moment. Donc, si y a la jouissance est à passer, tu changes ta manière de parler. Dès que tu finis ça, je coupe. Je vais manger. J'ai trouvé maintenant mon ancien gars. Je ne sais pas l'année, si c'est comme si tous mes anciens shows, les gens qui m'ont exploité dans ma jeunesse là, hein? Ça ne veut pas comment ça m'énerve dans le cœur, que si on peut rentrer dans le passé, ils taxent seulement 50, ils me doivent beaucoup d'argent. Ils reviennent, Koho, hein? Je te vois dans les directs, on fait comment? Comment? Pardon, je veux parler vos noms, si vous ne fuyez-moi. Maintenant, là, tu fais avec moi, je vais t'exposer, partez. Vous savez comment me prendre. Aidez-moi, mes gens qui me suivent ici, là. Et un gars, là, je te dis, il m'a trop maltraité dans ma vie. Je vous explique mon problème. Il veut venir détruire ma vie dans le foyer. Mais Dieu est grand. Je lui ai dit que j'ai deux amis roumains. Et comme la malchance dépasse la mort, je demande au sorcier que depuis tu es où, tu habites où. Il habite à Thionville. Très proche de moi, de mon bonheur. Vous voyez les choses. Mais je vais prier. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Vous ne me voyez pas trop. Zoro la patronne, bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas aimé la sortie de Natacha de Monaco. Elle a supporté un peu Coco Mimbang. Je n'ai pas aimé ça. Coco Mimbang ne mérite aucun soutien. Actuellement là, sa place est dans un hôpital psychiatrique ou bien dans un home spa. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même et d'aller faire la paix avec son passé. Voilà là où ses problèmes se trouvent. À part ça, moi, elle ne voit pas ce qu'on peut faire pour elle là. Tous les discours qu'on va parler là, ça ne change pas le personnage. Moi-même, si là, même si on dit 4 semaines à l'autre, tu ne vois pas un miracle, c'est l'humiliation totale en début d'année comme ça que Dieu t'expose. Mais pose-toi des questions, ma soeur. Comme tu dis que tu es jeune, là, toi, ils t'appellent ma soeur. En temps normal, ils doivent t'appeler comme Mbombo. Mbombo Sikoko. Tu ne peux pas heurer comme ça, hein? Ta vie a basculé depuis que tu as fui ton foyer. Comme on te cherchait en Suisse, le mariage que tu avais payé en Suisse. Tu dois encore 10 000 euros là-bas. Tu as fui là-bas. On te cherchait là-bas à cause de la drogue. Tu vendais le banga, la coke.
Elle ne vendait même pas le psa. Parce que ça, moi, j'achète à la boutique ce qu'elle vendait là. Ce qui s'est éclaté dans ses fesses. Vous voyez, elle sèche. Hein? Elle est là. Regarde comment vous la. Elle est comme ça. Elle n'a même pas de moelle épinière. Les fossettes, elle est comme ça. Comme Cookie, la grenouille de Zuma là. Ceux qui ont joué Zuma. Net. Ceux qui connaissent le jeu Zuma là. S'ils ont joué ça, c'est Coco Labo que vous voyez là-bas. Vous savez que je ne mens pas. Elle est là comme ça. Tu pensais que tout le mal que tu as fait, vous faites souvent, vous sciez souvent les branches sur lesquelles vous étiez assise. Si tu aurais laissé ta soeur que tu as fait rapatrier au Cameroun là ici, c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, malgré tout, c'est elle qui t'aide que, ah ah, ma soeur, viens quand même, tu dors sur mon canapé. Tu as fait rapatrier ta propre soeur. Aujourd'hui, elle et toi, c'est Iran, Irak. Vous êtes à vie. Je vous dis que à vie. Cette fille et sa soeur là, je ne sais pas, même Jésus-Christ, s'il revient, il ne pense pas qu'il peut. Qui peut réconcilier les deux personnes. Tout ça à cause de quoi, des clients. Tu as vu que ta jeune soeur avait beaucoup de prestance. Hein? Elle est décrochée que les mimfamibotes. Toi aussi, tu avais quand même un peu les mimfamibotes. Hein? Ta fille, Prudence. Je dis même Prudence. Là, on l'appelle comment? J'ai oublié son nom. C'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Ta fille là. N'est-ce pas, quand elle avait eu 18 ans, hein? Coco, tu es en Europe depuis 2005. Quand ta fille avait eu 18 ans, n'est-ce pas, tu as fêté son anniversaire, porté la robe rouge. Ta fille que tu dis que ce n'est pas ta fille aujourd'hui, là. Hein? Ton ingratitude, ton égoïsme, ta méchanceté. Tu fais l'objet de ça aujourd'hui. Tu payes pour toutes les erreurs que tu as faites, pour tout le mal que tu as eu à faire aux Africains, aux Camerounais. Tout ton argent que tu as travaillé, tu es toujours en train de parler de ta vie au passé. Mbengiste, plus de 18 ans en Europe. Hein? Tu as 12 paires de chaussures, de contrefaçon même. Ce n'est même pas les originaux. Ce n'est que quand tu étais en Suisse que les Blancs t'achetaient. Parce que l'homme suisse a cette culture-là. Hein? L'homme suisse a la culture du client. Hmm? L'homme suisse a la culture du client, la clientèle. Oui, oui, l'homme suisse est comme ça. Quand il avait une femme, lui, c'est qu'il doit donner l'argent. Même dans notre monde, quand tu avais un Suisse, l'argent du Suisse, c'est comme la grossesse. On ne cache pas ça. Quand il est là, il est là. Si tu avais un Suisse, il ne te donne pas. Il n'a pas. Il n'a pas l'argent. L'homme suisse, quand il est là, il t'aime, il va te donner. Il te donne, même si tu ne lui demandes pas. Surtout les Suisses allemands, là, les Zurichois en particulier. Tu étais bordé à Zurich. Tu as bordé là-bas. Avant d'aller trouver le mariage que tu allais acheter à Lausanne, là. Tu étais d'abord une bordé à Zurich. Aujourd'hui, tu nous conjugues seulement ta vie au passé. Passé simple, même pas passé composé. Que quand je fus, quand j'ai posé en haut du grenier de Truy, hein, on te chasse même, tu dis que tu ne pars pas. Regarde l'humiliation que tu as eu aujourd'hui. Après tout ça, tu vas encore ouvrir tes fesses pour parler à quelqu'un ici sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que tu devrais la fermer. Hein, fais un peu la paix avec toi-même, ton examen de conscience. Que pourquoi, avec tous les sacrifices et toutes les prières que tu dis faire, pourquoi la vie s'acharne autant sur toi? Tu n'as pas de papier, Coco. Ça, j'ai fini par comprendre ça. Tu n'as pas de papier. Oubelle qui me fait. Parce que tu ne peux pas me dire une femme, parent d'enfant français, toi qui es la mère. Même un logement social. Dans une province, tu n'habites même pas à Paris. C'est à Paris qu'on sait que tu peux faire la demande de logement, même 30 ans. On paye pour avoir ça. Même à Belfort, même à Beyrouth, tu peux aller faire même le truc là, tu demandes le truc, le logement social. Tu as un bon terme soi-disant avec le père de ton enfant. Même une période où tu faisais les directs, tu nous présentais ton enfant, non? Donc ça veut dire que tu as un bon terme avec lui. Le père peut te signer des documents qui vont te permettre d'avoir un logement
d'avoir un logement qui te permette, quand toi aussi c'est ton tour d'avoir aussi l'enfant, l'enfant soit dans un cadre décent. Tu n'as pas de papier, Coco. Explique-nous ce qui s'est passé, que l'enfant là, est français, mais toi, tu n'as pas de papier. Parce qu'il n'y a que quand on n'a pas de papier qu'on peut souffrir comme ça. Ça, c'est la souffrance. Tu as quitté la Suisse en quelle année? Ça fait quand même plus de 10 ans. Tu heures en France comme tu heures partout là. Et même en Suisse, même tu n'avais aucune stabilité. Parce que quand on regarde tes anciens directs, quand tu faisais en Suisse, ça, c'est les appart hôtels qui sont... on appelle ça comment? La compagnie d'appart hôtel là où toutes les bordels louent les maisons pour travailler là-bas là. On appelle le truc là comment? C'est sur Booking. Quand on regarde tous tes directs, c'est dans les petits appartements que tu faisais. À l'époque, il y avait les clients qui pouvaient te loger dans ce genre d'endroit même un an. Hmm? Donc tu as heuré comme ça. Tu brûlais tes boules de cristal que ton père t'envoyait. Tu faisais toute la sorcellerie là. Quand tu gagnais l'argent, tu envoyais tes marabouts au Nigeria. Aujourd'hui, tu n'es que l'ombre de toi-même. Hmm? Je n'ai aucune compassion pour toi. Tu vas péter les plombs, tu vas craquer jusqu'à tu vas devenir folle. Tu m'as souhaité la mort ici sur Internet. Qu'est-ce que je peux ressentir comme compassion pour toi? Aucune. Tu vois que même si on dit là qu'on a découvert que Coco Mimbang est morte quelque part, que le froid l'a tué, mais je vais ouvrir le champagne, je bois. Moi, je suis comme un blanc. C'est vous les noirs qui vous faites que vous étiez en mauvais terme avec quelqu'un. Dès qu'il meurt, vous commencez à dire des paroles élogieuses sur lui. Vous dites que, oh, comment il était bien, comment il était ceci. Non, le blanc, tu meurs, tu n'étais pas en bon terme avec lui. Ce qu'il disait de toi quand tu vivais, c'est la même chose qu'il dira de toi dans ton... devant ton cadavre même. Tu es folle. Va te faire soigner. Tout ça, c'est la méchanceté, le karma. C'est le karma de quoi que tu payes, ma soeur. Il n'y a que quand on a versé le sang de l'être humain que la vie peut s'acharner sur nous. Comme ça s'acharne sur toi, là. Ya! Yeah! Même les sorciers de Nangebogo n'ont pas pu te délivrer. Ensemble, homme, qui va t'aider? 4 semaines à Lourdes sans aucune situation, en début d'année comme ça, Dieu te fait purger ce genre d'humiliation. Ça veut dire qu'il n'est pas content de toi. Tu as endeuillé les familles. Tu as renversé les étoiles des filles. Tu as fait rapatrier les filles au Cameroun. Tout ça, à cause de ton aigreur et ta frustration, avec tout ce que tu avais, toutes les filles de ton époque, tu es arrivé en Suisse en 2005. Hein? Après avoir roulé sa bosse de pays en pays, N'Djamena, Guinée équatoriale, tu as Libreville, tu as Bordeaux au Gabon. Hein? Tu étais bordel au Gabon. Tu es arrivé ici. Toutes les filles qui sont arrivées à ton époque sont dans des foyers. Elles sont veuves d'eux. Et toi donc? Tu es toi en train de t'occuper des gens. Et puis tu pleures qu'ils ne sont pas reconnaissants. Pourquoi tu ne fais pas auxiliaire de vie? Va faire cette formation puisque tu t'occupes tellement bien des gens. Ça, on ne peut pas te refuser ça. Mais pourquoi la vie ne te donne pas une chance? Pourquoi? C'est là-bas. Hein? La question là qu'il pose. Même les laides de femmes comme Tana. Tana a quand même sa maison avec sa grosse bouche comme la devanture de la porte-ci. Hein? C'est qu'on appelle Coco, Coco Kouetou, avec les yeux comme 12h30. Elle avait sa longue tête comme son clitoris. Placée dans le noir, elle fait la sorcellerie. Hein? Allume la lumière. 40 ans dans le noir. Tu veux parler de la vérité dans l'obscurité, ma soeur? Tu as déjà vu ça où? Depuis qu'on ne t'a pas reconnu, là, tu es toujours sous tutelle. C'est forcé. Je croyais que tu ne fais plus le live. Laisse-nous, on va soutenir Tata Lolo. On est là depuis. On va la soutenir comme ça. Je suis Tata Lolo. L'auto aussi. Pour l'autre aussi. Chacun de nous, on a les fantasmes. Les hommes africains ici, là, vous les voyez. Où c'est le climat? Il y a vos frères ici, là. Ils ont les envies qu'il a envie que sa femme, hein, ce n'est pas que c'est moi. Parce que si elle dit moi, là, on va dire que parce que je suis un homosexuel. Ça, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ça me dérangeait. Hein? Mais vos frères, vos pères, vos parents, ils ont les femmes ici, là, qui leur font l'amour dans les fesses avec le goût.
Tout le monde sait que le point G de l'homme, c'est dans l'anus. La prostate, c'est là-bas. Quand on commence à te soise, hein? Une fille qui te lèche déjà les fesses, elle va te goder. Si elle ne te gode pas, toi-même, tu vas aller offrir ton rectum à tes amis garçons dehors. Arrêtez ça. Vous jugez trop vite. Pourtant, vous-même, vous prenez votre plaisir dans là-bas. Chaque garçon, quand il jouit, il ressent ça dans l'anus. C'est le point G de l'homme. C'est là-bas. On ne vous dit pas ça à l'école. On vous dit que le corps humain croit que c'est quatre parties, la tête, le crâne et les quatre membres. Le bangala, ce n'est pas sur le corps humain. Les pectoraux, les oreilles. Le corps humain a tout ça. Et toutes ces parties-là, on les envie. Chacun a sa part de goût. D'accord? La femme aussi, pareil. Si Tata Lolo a aimé que elle a peut-être vu un film X où on a attaché une femme comme ça, ça l'a excité. Hein? Vous allez condamner la fille de tuer par rapport à ça. Vous n'allez pas condamner cette fille par rapport à ça. Tu veux passer? Vous n'allez pas condamner la petite par rapport à ça. Ok? Elle fait de son corps et de ses fantasmes ce qu'elle veut. Elle peut même décider là que c'est en haut du train marchandise qu'elle veut qu'on lui fasse l'amour. C'est son corps. Pourquoi ça vous excite? Vous ne baisez pas. Vos maris vous baisent dans les cuisines, c'est logique. Au temps de nos ancêtres et nos parents, est-ce qu'on faisait l'amour à la cuisine? Nos parents, nos ancêtres, parce que ma mère ne fait même pas partie de la génération, là, nos ancêtres parlent d'eux. C'est eux qui faisaient l'amour dans un endroit bien précis. Il y avait tout un protocole, hein, qui était comme une prière. On savait que la femme se couche, elle enlève le calet, elle se couche sur le lit, elle ouvre les jambes, l'homme monte. Hein? Et c'est peut-être même les périodes où ils veulent même se multiplier, comme les animaux. Mais maintenant, la sexualité a les filières. Beaucoup de filières dans la sexualité maintenant. Je vous dis que si vous savez ce que vos frères font ici en Europe, vous n'allez pas leur dire bonjour dans la sexualité que nous parlons ici. Oui, oui. Dans cette sexualité, hein, que nous parlons. Si vous savez ce que vos frères font ici, vraiment, vous allez venir me dire ici là que merci, tu nous avais expliqué ça. Tu nous as travaillé la tête. Vos frères font des choses, mais salaces. Il y a des gars ici en Europe que lui n'est pas excité s'il ne voit pas deux filles en train de faire l'amour. Donc, pour déclencher sa libido, il faut qu'il voit deux filles se toucher. Et vous allez en vouloir au monde. C'est la sexualité de l'homme qui est devenue très diverse. On est comme ça. Même pour les femmes, on est mélangé. On fait ça. Rien ne sort. Hein? Une période ici, là, les concombres manquaient au marché. C'est moi qui mangeais les concombres là. C'est pas vos soeurs et vos frères qui utilisaient les concombres là. Moi, je ne pouvais pas avoir besoin des concombres. Je suis déjà dans l'université là depuis. Mais comme vous aimez le faire le déni, vous aimez que c'est bien quand c'est pour les autres. Mm-hmm. Compresseur là-bas, on la fouette comme le chat dans son mariage, jusqu'à ce qu'on repasse les bras. Elle ne parle pas. C'est l'histoire d'une fille adulte, majeure, vaccinée, qui est partie trouver un autre homme. Son chaud, majeur aussi vacciné. Ils se sont couchés sur le lit, ils ont décidé que faire avec les mains détachées ne les intéresse plus, ils veulent s'attacher. C'est ça que vous vous agitez comme ça? C'est ça que vous vous agitez beaucoup comme ça? Non, mais moi, vraiment, moi, ça ne me dit rien, parce que moi-même, si. Moi, je vous dis, à part coucher avec un animal, je ne sais pas ce qui peut me dépasser dans la sexualité. Vraiment. Ou les pratiques sexuelles pédophiles avec les bébés là. Voilà les choses et la zoophilie. Voilà les deux choses qui m'ont dit donc que je n'imagine pas de moi dans la sexualité. Mais sinon, tout le reste, je fais même attacher, même qu'on accuse l'autre là. Je pense que si je me souviens bien, j'ai déjà fait ça. Hein? Je pense aussi, je veux bien me rappeler, peut-être j'ai déjà fait. Mais bon, comme nous, on ne se filme pas alors, c'est pour ça que nous... Non, mais c'est ça. C'est comme vous-même. On ne connaît pas pour vous parce que vous-même, vous ne vous filmez pas.
C'est ce qui se filme là. Quand tu te filmes, Yann, ne sois pas surpris que ça vient. Comme nous, on ne se filme pas, mais sinon, on fait tout ça. Ça ne me surprend pas. Restez tranquille. Vous faites pire. Les filles qui sont mariées avec les blancs, alors là, on ne veut pas ouvrir votre dossier, pardon. Restons dans la discussion comme ça, on est chacun est tranquille. Mm-hmm. On se connaît, nous nous connaissons. On connaît les fantasmes là-haut. Nous, les Africains, on est vraiment venus apprendre ça. Mais sinon, ils ont les fantasmes ici qu'on leur met les pinces sur les tétons, on appuie comme ça jusqu'à le sang coule. Et vous osez faire comme si ce que Lolo a fait qu'on l'attache là vous choque. Non, mais vous êtes, c'est menti ça. Ça, c'est du pur mensonge que vous êtes en train de faire là. Vous avez vos shows, vos clients. Vous le pincez ici, le téton. Vous appuyez avec la tournevis, non. Le sang coule. On vous paye l'argent pour ça. Ce que vous trouvez que c'est un genre là. On paye alors l'argent aux gens pour faire ça. Hein. Si vous ne savez pas, restez là dans le mougoutisme en Afrique. Bye, je vais couper mon direct. Je pars déjà. Non, il n'est pas fini de fumer mon banga. Ouais, il finit de fumer mon banga là-bas, après, il part. Quand quelqu'un fait sa chose, regardez-le si ça ne vous concerne pas. Parce que vous faites pire. Vous faites pire que ce que vous reprochez aux gens là. Vous faites le grand frère, le terminator de ça. C'est parce que vous ne vous filmez pas. Moi-même, je fais ça, mais je ne me filme pas. C'est ce qui se filme là. C'est là où il y a souvent les problèmes alors. Le jour que la personne que tu devais filmer avec lui, dit que la personne là, c'est tout comme ça. Tu ne sais pas qui les gens avec qui tu te filmes là, qui eux ils rencontrent, à qui eux ils font confiance. C'est ça. Un secret, c'est se garder seul. Moi, j'ai les photos là que moi-même je fais souvent. C'est moi-même qui a fait mes photos. Hein. J'ai ça. Ce n'est pas qu'il ment. J'ai ça. Personne ne m'a filmé, c'est moi-même. Comme je suis sucré nul là. Je prends mon téléphone, peut-être je me regarde comme ça, moi-même je m'excite. Je me mets comme ça, je me regarde, je me filme. C'est pour mes yeux. Et c'est pour mon fait aussi moi-même. Parce que nous tous on envoie les nudes, mais on sait à qui on envoie ça. Mm-hmm. Moi, je ne vais pas envoyer ma chose à un blanc. Je veux qu'un blanc me publie un jour, il va me payer l'argent. C'est les noirs qui ne font pas. Le blanc a peur des choses là. Moi, je ne vais pas envoyer à un blanc avec mon visage. Je veux qu'il publie. Il va me payer. Il m'en fout. Qui ne sait pas que quand il marche, j'ai les noyaux. Ou bien il peut avoir les poils. Tout le monde peut imaginer ça dans sa tête. Moi, je veux seulement que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui peut me donner, qui me publie. Je cours maintenant avec toi. Il y a les cabinets d'avocats ici que même si tu n'as pas l'argent, tu peux les expliquer ton problème. Et voir la situation de la personne. Et décider qu'ils vont suivre le procès. Et dans ce qui va sortir, ils ont leur pourcentage d'être. Donc, ils paient quoi? J'avais d'abord l'argent là. Juste parce qu'on m'a montré qui connaît le nombre de personnes que j'ai déjà monté ma nudité. S'ils m'ont donné quoi? Rien. Que moi, il va aller dire comme. Même si c'est seulement 1000 euros, je prends. Vous me faites rire. Même si c'est seulement 650 000. Voilà l'autre petite chienne qu'on dit qu'elle a compris au Cameroun. La petite modéliste qui dit où c'est Cynthia Kio. La modéliste là. Celle qui fait les marches nocturnes comme les ronds. Comme les canards pécans avec son troupeau d'enfants. Avec Zizou là. Que Cynthia a compris. Et puis les gens partaient même l'écouter. Comment vous me faites? Bye bye, je vais vous laisser. Bisous. Ciao.